Ei, coucou les chocobos! Comment que ça va ce matin? T'as du mal à émerger, j'ai l'impression. Aux arrivants, coucou Ella, coucou Mimi, coucou Rogue. Installez-vous tranquillou. Petite découverte, douceur ce matin. De Semir. Découverte tranquillou. Puis ensuite, on ira faire de la chasse au Shiny et du Pokédex au Pokémon Violette. Pensez à check vos MP, les gens, sur la liste. Et enfin, on finira sur Children of Salentown. Et c'est une bonne petite découverte du mois, hein. On va voir la suite. Et toujours, si vous souhaitez participer à la barre des tips, avec un stream bonus Sally Face et le petit panda métalleux qui a pris cher, l'air de rien, et qui a pris cher. Alors, Semir, je vais jouer à la manette, je pense. Parce que les options, sinon, c'est avec les flèches du clavier, donc j'ai un peu peur que la suite, ça soit pareil pour se déplacer. Donc, on va partir à la manette. Donc, ça va être mieux. Dans le doute, ça va être galère. Je crois pas qu'elle rebaigne de. Ah, j'ai pas vu. Vous me direz pour la musique? C'est trop fort, pas assez fort ou pas? Alors, je sais pas si c'est une cinématique, donc peut-être que je vais enlever les Pokémon et les alertes au début. Installez-vous. Coucou mes berries, coucou les arrivants. Hop, hop. J'ai le petit café. Alors, on va faire une nouvelle petite partie. 1 kilo pour se réveiller. La bonne image. Hop, je m'installe et voilà. Parti. La découverte de Semir qui est sortie en 2021. Exact. Pas un jeu tout récent. Encore le même rêve. Mais elle a murmuré au creux de mon oreille cette fois. Grand-mère essayait de me dire quelque chose. Sûrement, votre perso a perdu sa grand-mère récemment. Quelque chose d'important. Celui-là, je voudrais pas te péter. Oh là là, celui-là. Je devrais aller voir grand-mère. Il y en a un des deux qui est dessiné à la main. Mais... Ah bah non en fait. Je la tue avant l'heure, bravo. Un petit corbeau. Un peu comme une planète. Ah bah non, elle est décédée vraiment. Putain, mais le jeu, arrêtez de nous faire des fausses joies. Toujours de fermer le robinet. Ah bah bravo maman. Ça va le son, c'est peut-être pas assez fort.
J'ai mal à voir pour vous. Moi, j'entends quand même bien le son, mais je sais pas vous. Elios, comment ça va? Bien dormi? Est-ce que le son est bon pour toi ou pas par rapport à ma voix? Ma voix sort un peu au-dessus, mais pas trop, quoi. Je devrais aller voir grand-mère. Tu sais, elle est juste là. Ah, il y a un mur qui cache dalle. Désolée de te déranger, grand-mère. J'espère que tu m'entends d'où tu es à présent. Depuis le départ de maman... Depuis le départ de papa, maman reste clou au lit le matin. Elle a l'air tellement triste. Je fais le ménage tous les jours... comme mes devoirs. Je fais tout ce que je peux. Mais je me sens si seule. J'ai l'impression que tu voulais me dire quelque chose. Ça commence bien joyeux, hein, ce corse. Quelque chose qui pourrait tout arranger. T'en prie, aide-moi. Ouais, c'est nickel le son. Se rebaisse, ça a pas l'air fort du tout comparé à ma voix. Ça va bien avoir plusieurs. Ouais. Ils sont tous en fufu. Ah non, ça ne va pas arranger l'humeur de maman. Et d'ailleurs, c'est quoi? Je graine. Ça me rappelle un poème de grand-mère. Graine venue du ciel, plantée au cœur du printemps, quel rêve feras-tu naître? Des paillettes. Il y a quelqu'un qui... Des morceaux de verre et moi je marche dedans. C'est le corbeau qui a lancé ça par la fenêtre. Ça va le son les gens? Nickel, nickel. Faudrait être sûr parce que si on se fait toute l'aventure et qu'à la fin on me dit que ça va pas. La planter. Là, il y a quoi? Attends, là, l'endroit rêvé pour toi. Personne pour me répondre, les gars. Finzera, Yel. Ouais, mais ça me dit pas pour le son, Elios. Genre, est-ce que ma voix elle est légèrement au-dessus ou méga trop au-dessus? Bien fatigué. Bonne nuit, mon ami. Qu'importe ce que tu es, j'espère que ta vie sera plus belle que la mienne. Juste un petit peu? Qu'est-ce qui me fait merde là? Mais qu'est-ce que... Bonjour. Pourquoi me demandes-tu de me taire? Maman dort. Mais au fait, d'où viens-tu? De la graine, pardi. Qui elle-même vient d'un endroit féerique. Ça fait peur, c'est ça? Oui. Je pense que je vais retourner dans ma chambre. Et tu peux quand même pas me laisser ici. Je n'en ai qu'un, moi. Un quoi? Un jour, pardi. Je n'ai qu'un jour à vivre dans ce merveilleux monde des humains. Mais
Encore ? Quand le soleil s'effacera du ciel, je devrais retourner d'où je suis venue. Au crépuscule, pour être plus précise. Tu dois donc m'aider. Pourquoi donc ? Parce que c'est ma première fois dans le monde des humains. Eh bien, j'en suis une d'humaine. Je vois ça. Et tout ce que je peux te dire, c'est que je retourne au lit. Tu irais quand même te coucher si tu savais que tu n'avais qu'un seul jour. Je peux pas quitter la maison, maman a besoin de moi. Tout comme moi, nous devons sortir. Oui mais non, je ne peux pas. Mais oui, tu peux. Non. Je vois bien que t'en as envie. Change de lunettes. Et pourtant, tu vas sortir. Ou pas. Au moins, t'as du caractère. T'en prie, ne me laisse pas me flétrir ici. Je ne sais pas trop. Et si je te disais que tu pourrais revoir ta grand-mère? Que tu pourrais découvrir ce qu'elle essayait de te dire? Pour de vrai? Tu pourrais faire ça? Emporte-moi et fais-moi vivre une merveilleuse journée. Et je pense que ça pourrait bien arriver. Je ne suis pas prête. Pas de soucis, là c'était juste, je voulais vraiment savoir pour le son parce que des fois on me le dit à la fin et c'est trop tard quoi, on a déjà fait toute l'aventure. Surtout sur des petits jeux indés, je sais pas trop la durée. Ces jeux là ils peuvent durer 2 heures comme 20 heures, tu vois. C'est pas trop d'avance. Aïe. Merci. Nous avons donc à marcher. Cette journée n'attend que nous. La vie ne sera plus jamais la même. C'est parti. Attends. J'ai besoin de mon journal qui se trouve dans mon sac à dos. Dépêche-toi, je t'attends dehors. Et n'oublie surtout pas de dire à ta maman que tu l'aimes. Quelle histoire. Il avait promis de téléphoner tous les jours après manger, mais il ne l'a jamais fait. Alors je pense que le père s'est barré. S'il s'est barré. Je pense pas qu'il soit décédé. Quoi, Paul? Comment ça va? Il y a un peu d'argent dans le sac. Je ne vais rien prendre, ça serait mal. C'est bon maman, j'ai tant besoin de toi, tu sais. Venir. Enfin bon, ne t'inquiète pas, je serai là pour le repas. Je t'aime. Bah moi pas très bien dormi, mais sinon ça va. J'ai mal dormi. Enfin, il rangeait pas grand chose à part des papiers. Il m'a essayé de ranger ma boîte à trésors aussi. Hein? Une note de grand-mère, c'est la première fois que je la vois. Ma tendre Semir, voici une pièce pour t'acheter ce que tu veux. J'aurais toutefois une faveur à te demander. Va rendre service à la dame de la papeterie. C'est mon ami et tu lui ferais très plaisir en l'aidant. Ça fait des jours que maman n'est pas allée faire les courses. Il reste toujours un peu de mon gâteau d'anniversaire violet. Je vais en prendre une part au cas où. Moi je pille la maison avant de partir. Papa adore cette photo. Elle vient de leur lune de miel bien avant ma naissance. J'imagine qu'ils étaient plus heureux. C'est pour la sortie, elle est par là. Triste hein, quand même. Il ne reste que quelques objets de grand-mère après toutes ces années. Oh, son miroir de poche, elle s'en servait tous les matins. Elle nous disait toujours que l'on devient la personne que l'on montre au monde. Mais pensait-elle réellement? C'est pas ce que tu as en tête, grand-mère. Mais je vais rejoindre la fleur à l'extérieur. De
Tokonoma, grand-mère faisait toujours attention à ce que les fleurs soient fraîches. Elle faisait toujours de ne pas y pénétrer. C'est un lieu très spécial. Alors, je sais pas ce que c'est. La tirelire cochon, elle se remplit parfois de pièces comme par magie, mais pas aujourd'hui, on dirait. Ça va être sa mère qui met des pièces. J'ai ramassé cette petite fleur dans le jardin pour garder un œil sur mes livres. Mais c'est peut-être moi qu'elle observait depuis tout ce temps. Et là, il s'en va, le corbeau. Je ne sors jamais sur mon sac à dos et mon journal. Revoir grand-mère me permettrait peut-être d'arranger les choses ici. Et papa aurait envie de revenir. Peut-être. Je pense que c'est le décès de la grand-mère qui a provoqué une... Couleur de rubrique, comment ça va? Moi, tu fais juste un client. Faut y aller. Tu sors avec la fleur que tu viens juste de rencontrer? Tu viens de parler ou j'y rêvais? Tu perds peut-être la tête. On parle aux fleurs maintenant. Coucou! C'est froid dehors. J'aurais mieux de rentrer. Jette plutôt un coup d'œil à ce ciel. N'as-tu pas l'impression que ces étoiles prennent vie? Et du coup, je peux remettre les Pokémon. J'avais enlevé parce qu'il y avait une petite cinématique au début. Coucou Héloïse, comment ça va? Bah ouais, faut que si les gens ils continuent de bosser, ils vont pas se bouger, ouais. C'est ça le problème. C'est un peu chiant, quoi. Ouah, c'est magnifique. Eh oui, nous allons vivre ce jour entier sous cette voûte céleste. Bon, par quoi devrions-nous commencer? J'aimerais savoir ce que grand-mère essaie de me dire. J'ai l'impression que ça pourrait me rendre ma vie d'avant. Il y avait bien un lieu spécial à vos yeux, n'est-ce pas? Oui, la glycine. C'est là que je l'ai vue dans mon rêve. C'est pas la porte à côté, par contre. Il faut passer les rizières et traverser le ruisseau glacé. C'est ce qu'il te reste à faire, alors? Hein? Laisse-moi écrire tout ça. Écrire? Oui, je couche toujours tout sur le papier. Bon, le but est de passer une superbe journée, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Un jour parfait. Donc ça, c'est le but du jeu, voilà. Et aller à la glycine. Voilà, c'est pas vraiment une liste, mais c'est un début. Coucou, Madateur. C'était ta nuit. T'es amusée. Je suis prête. Ok, pense à dire au revoir au chat avant d'y aller. T'es parée, j'imagine. Alors c'est parti. Ne t'inquiète pas, je te protégerai, je suis ton ami. Ou le chat. Alors, on a trouvé un gâteau violet, une pièce. Et on a la maison. J'aime bien la carte, comment elle est faite. C'est marrant. Une serviette propre, ça pourrait servir. Mets-la dans ton sac, du coup. En fait, je sais pas si c'est par où la suite, alors. Un vieux pot. À quoi penses-tu? À l'époque où mon père s'essayait ici pour me regarder attraper des lucioles. Mais ça, c'était avant. Prends-le donc avec toi. Un nobody sauvage apparaît.
père s'en est allé un matin et n'est jamais revenu. Il est en ville, mais c'est impossible d'y aller. Pourquoi? C'est à bien plus d'une journée d'ici. Et nous n'en avons qu'une seule, oui. Qu'est-ce à trouver apparemment dans le sol? Stan, comment ça va? Ah, faut que tu rachètes des Pokéballs. Le stream, tu vas dans le sac à dos et elle chope. Moi, j'ai pas vu si ça sauvegarde automatiquement, mais je pense que... Ça me perturbe un peu les quand c'est fait en mode planète. J'ai fait d'autres jeux comme ça, c'est en mode planète. Moi, ça peut me rendre un peu malade parfois, donc on va pas aller trop vite. Coucou le chat. Bonjour. Ah d'accord, tu parles vraiment. Quel culot, je te dis bonjour tous les matins, hein. Désolé. Que fais-tu dehors de si bon matin? Je vais voir grand-mère à la glycine. Je la connaissais bien, elle avait l'habitude de me donner des bouts de poisson en douce. Elle me manque beaucoup. Parfois, je préférerais ne l'avoir jamais connue, ça ferait moins mal. Oh. Je pense que c'est bien d'oublier les gens qu'on a aimés. Alors, est-ce qu'on invite le chat à aller de l'avant ou est-ce que le souvenir c'est important? Je pense que c'est important de se souvenir. En fait, c'est bien de se souvenir et d'aller de l'avant, mais il n'y a pas. Du coup, je sais pas. Je pense que je serais plus le souvenir est important, mais. Juste pourquoi? Souvenir. Aller de l'avant, c'est important, mais je suis pas obligée d'oublier pour autant. Conivore, coco granola. Qu'importe le chagrin, il faut s'en souvenir. C'est ce que j'essaie de faire au moins. En tout cas, je n'ai pas de bout de poisson sur moi, désolé. On va peut-être m'apporter une fleur à la place. Quelque chose en échange? Oui, ne t'inquiète pas. Par contre, je voudrais une fleur clochette. Le chat a la langue bien pendue aujourd'hui. De nombreuses créatures ont connu ta grand-mère. En tout cas, le chat voudrait une fleur ressemblant à une clochette. J'aime mieux d'écrire ça pour ne pas oublier. À faire. Fleur clochette. Les nuages ne s'embarrassent pas. Quand il pleut, il pleut. Les humains, eux, ont besoin d'un arrosoir. J'ai jamais vraiment réfléchi. Pourquoi vouloir tout contrôler? Il faut savoir contempler la vie. Si j'étais restée contemplatrice, tu serais toujours sous forme de graines au sol. Pas faux. Et un mur à vie. Une fleur clochette. Ah là-bas. Ah si, justement, une fleur qui ressemble à une clochette. Ça plairait sûrement au chat. Allons donner ça au chat. C'est ça que les étoiles et tout en fond, c'est magnifique. Splendide. Tiens, je t'offre ma clochette. Que vais-je bien pouvoir en faire? Ça pourrait t'aider à effrayer quelques volatiles mal lunés. Et pourquoi aurais-je besoin de faire ça? Tu verras. Et voici deux pièces pour ta peine. Ça pourrait servir. Merci le chat. On peut y aller? Ouais, ouais. Ça va, il y a un chat qui nous paye pour aller chercher des fleurs. Tout va bien dans ce monde. Absolument, tout va absolument bien. J'ai même appelé Yo, c'est Apple. Apple, toujours troisième. Et... quoi? J'appelle cet endroit le jardin désolé. C'est bien triste. Depuis la disparition de grand-mère, les mauvaises herbes sont partout. Maman s'en fiche totalement et moi je ne sais pas comment m'en occuper. Je les arrose pourtant tous les jours. Et je t'en remercie. La mère en pleine dépression. Il fait si froid à cette heure-ci. Qu'est-ce qui me prend? Bon écoute. Il y a un corbeau un peu plus loin. Hein? Un corbeau? Qu'allons-nous faire?
Tu dois arriver à nous faire traverser. Moi, je disais pourtant être là pour m'aider. J'ai pas envie de terminer un petit déjeuner, moi. Pas vraiment qu'il te mangerait. Rebrousse son chemin, du coup. Non, tu dois aller de l'avant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais loin derrière. Ferme les yeux et cours. Mais je dois vraiment courir. Oh merde. Il est là. N'aie pas peur. Jeune fille. Oh là là. On a une clochette, ballon sur la clochette. Rentre chez toi. Tu n'es pas de ce monde. Je voulais aller jusqu'à la glycine, moi. Plus fort. Je disais que je voulais aller à la glycine. Parfait. Commence à avancer. Dès qu'il t'envoie ses sbires, esquive. Esquivez ? Avance et tu comprendras. C'est que ce niche. C'est bien que j'aurais dû rester à la maison. En mer. Avance droit devant. Oh bordel. Je vais le shooter celui-là. Très bien, jeune fille améthyste. Tu as gagné. Méchant, tu m'as fait peur. Alors j'étais une pierre sur le corbeau. On le laissait partir. Non, on va le laisser partir quand même. Même si c'est un méchant corbeau. On va pas tuer un animal dès le début du jeu. Assez de ta compréhension. Je ne fais que mon travail. Prends donc cette pièce. Mais ne le dis pas aux autres corbeaux. Ah. Bon bah on a fait quelque chose de bien. Ça donnait des sous. Quel est cet étrange objet? Une brouette. Les fermiers s'en servent pour transporter le riz des champs. Oh, on ramène donc chez soi les plantes décédées avec amour et dignité. Il n'y a bien que toi pour dire un truc pareil. Oh. Il ne me fait pas peur, hein. C'était pas mon intention de toute façon. Il y avait un petit lézard, là. J'ai pas loupé un truc sur les autres endroits. Ah ouais, la cruauté. On peut pas y aller du tout. Ah si, là, on peut y aller. Mais on peut rien faire. C'est vraiment tout mimi, ce jeu. Vraiment, vraiment tout mimi. C'est à moins 2 degrés, là. Normalement, il va y avoir encore de la neige cette nuit, mais en final, heureusement que je suis sortie l'autre jour. C'était un peu blanc sur les voitures, mais... Bah, ils disent que... Ouais, il y a des risques, mais... Je pense pas qu'il va neiger à nouveau. Ce qui est génial, c'est que voilà, si je mets FK... Il y a le jeu qui te rappelle ce que tu dois faire, donc pour les enfants c'est assez cool de jouer à ça. Bonjour Semir. L'épouvantail peut aussi parler. Coucou monsieur l'épouvantail, comment vas-tu? Les corbeaux sont mal lunés aujourd'hui. Ta grand-mère m'avait laissé un peu de ses pouvoirs protecteurs, mais il commence à s'estomper. Les corbeaux n'arrêtent pas de me bourrer le crâne de bien vilaines paroles. J'aimerais autant pouvoir quitter ce monde. Eh bien je vais justement à la glycine. Je dirai à grand-mère que tu as besoin d'aide. Elle est toujours dans le coin. Elle pourrait faire quelque chose pour moi. J'espère bien. Tu veux bien me promettre de revenir pour m'aider? Je ne suis pas sûre d'être toujours de ce monde après-midi. On va lui promettre, mais... avant midi, faut y aller. Merci, reviens bien avant midi, s'il te plaît. Tiens le coup. J'ai fait ma Béa. Alors Béa, ça veut dire bonne action. On va le dire en entier, parce que tout le monde connaît pas. Pas encore, hein. Pour revenir avant midi, sinon ça marche. Ah, c'est pour voir les petits criquets sur l'herbe, c'est marrant. Avant midi. Et comment on sait l'heure? C'est qui a marqué l'heure? Ah. Là, on est dans les rizières.
Et là, on est où? On est dans un nouvel endroit, on est d'accord. Ah non, on est encore au... Bonjour! Salut! Que fais-tu? Détente. Je vois ça, as-tu besoin d'aide ou autre? Non. Ça, il l'a dit. D'une traite. Magnifique pêche, papa les adorait tellement. Je n'ai plus le cœur à en ramasser désormais. On a quand même une famille assez brisée, c'est un peu triste. On va essayer d'avoir une bonne fin. Je sais pas s'il y a possibilité. Je me souviens quand grand-mère parlait de l'âme des pierres. Elle disait que la vie coulait dans chaque arbre, rocher ou fleur. Le ruisseau glacé. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenue ici. Ça a l'air de te mettre dans tous tes états. J'ai failli me noyer dans ces eaux quand j'avais 4 ans. Grand-mère m'a toujours aidé à traverser depuis cet épisode. Désolée, mais il va falloir que tu arrives par toi-même ce coup-ci. T'attends de l'autre côté. Mais pourquoi? Quand tu te sentiras prête, ferme juste les yeux et traverse. Mais tu peux le faire. Bonne chance. Pleure. Allez, on rentre chez nous. Sympa. On rentre chez nous, du coup, nous aide pas. Pauvre petit bonhomme a l'air gelé. C'est le cas. Mais je tiens bon grâce à la méditation. T'en prie. Inutile de t'en faire pour moi. Oui, on va l'aider. Je pourrais bien essayer de t'acheter un manteau ou autre. Je n'en ai pas besoin. Mais si tu tombes par hasard sur quelque chose de bien chaud, ce serait formidable. J'ai pas de quelque chose de bien chaud. Ça marche pas le... La serviette. Apparemment c'est juste. Oh oui. Il faut que je traverse ce ruisseau. Désolée mais la reine corbeau m'a chargé de monter la garde. La reine corbeau? Oui. Elle serait bienvenue en personne mais elle déteste l'eau gelée. En quoi ce que je peux bien faire l'intéresse? Le rôle des corbeaux est de maintenir l'équilibre du monde. Elle veut que tu rentres chez toi. Mon ami la fleur a déjà traversé. Et? Eh bien je dois la rejoindre. Tu veux bien me laisser passer s'il te plaît? Après tout tu n'es pas vraiment un corbeau. Eh bien... C'est vrai que je suis le gardien du ruisseau. Mais j'ai aussi des petits à nourrir. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois en échange de 2 pièces. Tiens. Lance-moi les pièces. Tu peux passer. Profite du doux son de l'eau qui coule pendant ta traversée. On vient de payer péage. Faire machine arrière. Allez, courage. Hé hey, t'as réussi. Tu as comme quelque chose de changé, tes couleurs. Je ne suis que le reflet de ta journée. Ah. Au fait, comment va-t-on retraverser après? Tu sens une âme de voltigeuse, je pourrais te porter. N'hésite pas à me demander de l'aide. Wouah, je vole! Parce que j'avais pas fini de fouiller la zone. Enfin, ok, je crois qu'en fait, il y avait tout. En fait, c'est bon, on avait tout fait. Il est beau, hein, le jeu! Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Il est beau. Bon, l'histoire est triste, mais il y a peut-être une bonne fin, donc... Après, les indés, ils aiment bien nous mettre des jeux assez tristes. Hein. En fait, ils jouent souvent sur l'émotion parce que comme ils peuvent pas faire des jeux forcément très longs parce que pas le budget, ils jouent beaucoup sur l'émotion. C'est un endroit particulier, hein. Voici la glycine. Ah, c'est là la glycine. L'endroit favori de grand-mère. C'est précisément là d'où je viens. Et c'est ici que je dois terminer ma journée. Oh, tu viens donc ici? Tu connaissais grand-mère en fait? Elle adorait cet arbre ainsi que le pouvoir qu'il renferme. Donc elle y a laissé un brin d'amour ayant le pouvoir de me faire venir dans ton monde.
Mais où est-elle? J'avais dit que je pourrais la revoir. Et je le pensais, mais je ne sens pas sa présence là. Où est-elle du coup? Je n'en suis pas sûre. La chance de revoir une personne disparue n'est pas donnée à tout le monde. J'avais dit que t'étais capable de faire ça. T'en prie, ne me laisse pas tomber. Faut que je sache ce qu'elle voulait me dire. N'y aurait-il pas un autre endroit précieux à ses yeux? Il y a bien le vieux sanctuaire tout près. Elle m'y menait souvent pour faire un vœu. Parfait, elle a donc souhaité que cette journée soit belle. J'y vais surtout pour la revoir. Mais non, Apple. Prends un petit café avec. Après la musique douce, t'en as sur plein de jeux. C'est vrai que si t'es dans le lit ou en mode calé, ça peut, ouais. Là, c'est vrai, pas un truc caché. Je sais l'heure, moi. Je serais bien tentée de retourner voir le... avant midi, mais... C'est plus la nuit, donc j'ai peur de... à ce point... avant, grand-mère disait que c'était les vieilles dames du coin qui les mettaient ici. Ils sont censés donner de la joie aux enfants disparus. Ah bah d'accord. Bonjour, salut. Sympa de t'adresser à moi. Eh bien, tu m'as l'air un peu seule donc. Oh, je pense que d'ici un milieu d'années, je devrais réussir à atteindre le ruisseau. T'as ton plan? Ouais, tu pourrais m'aider si t'as le temps. Je suis loin d'être assez forte pour ça, mais courage, je suis sûre que tu vas y arriver. On peut pas le porter? Que je me suis rapprochée du ruisseau là. J'ai l'impression, oui. Merci. Et ouais, je parle à une pierre. La petite me demande encore Wally. Wally! Eve! Faut lui mettre le dessin animé là, t'as pas le choix. Ah ouais! J'ai rien dit alors. Je suis revenue, bien sûr. Ça se passe comment avec les corbeaux? Ils se posent sur moi et disent de vilaines choses quand les fermiers ont le dos tourné. Je n'en peux plus de les entendre. Ils vont me démolir si ça continue. Oh non, les revoilà. Sans l'herbe moisie. Ah. Ils sont si bons, ok. Leur pâle aux heures. C'est normal de se sentir triste parfois. Tu es beau et intelligent. Il faut se dépêcher, il y a un temps. Je pense que beaucoup d'animaux voudraient être tes amis. Allume une allumette et je te tiendrai chaud. J'ai pas le temps de lire ce que disent... Exactement où tu devrais être. Et important à mes yeux. Tu as un cœur en or. Quelle bande d'abrutis. En gros, il faut faire des compliments parce que les corbeaux sont méchants. Tu n'as rien? Je me sens mieux. Tu veux bien rester dans les parages? Dans les rizières? Ça va être compliqué. Je pourrais faire autre chose pour t'aider. J'aimerais bien que les corbeaux arrêtent de m'embêter. Je veux bien me trouver un super chapeau. Comme ça, ils verront que je peux être cool aussi. Ok. Ne tarde pas, midi sera sûrement ma limite. Comment un épouvantail pourrait-il supporter d'être effrayé par des corbeaux? Je vais faire de mon mieux. Je trouve un chapeau maintenant avant midi. Elle est dure la quête. Je trouve pas, c'est l'horreur. On l'avait déjà lu.
J'ai peur d'oublier un truc parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses. On avait oublié la pierre. Un chapeau, ça se verrait quand même, j'imagine. Mais après, c'est vrai que Wally, il est vraiment sympa. Et il vaut mieux que ce soit celui-là qu'elle a envie de regarder en boucle qu'un autre. Il faut qu'on trouve un chapeau pour l'épouvantail. On a quoi d'autre à trouver? Ah oui, un truc pour réchauffer la pierre. Ce gaillard sera encore debout dans plusieurs centaines d'années. Caché là. Ah, là, il y a une pièce. Coucou Loïc, comment ça va? Bien dormi? Le voilà. Magnifique sanctuaire. C'est le portail, ça. Le sanctuaire est plus loin. Passe le portail et remonte le chemin tout en affichant ton respect aux dieux qui y vivent. Grand-mère disait toujours ça. Ça ne semble pas être un endroit pour les fleurs. C'est un endroit pour tout le monde. Il est habité par les esprits et permet d'honorer ses ancêtres. Je sens quand même que les corbeaux vont jouer les troubles fêtes. Pourquoi? C'est un peu difficile à dire, mais passe la première, je te rejoindrai après. Et si j'avais des ennuis? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Foutu corbeau, quoi. Pas quitter le chemin. Ah, il y a encore le corbeau là. Je peux aller là? Il y a quelque chose d'un peu plus loin. J'aurais aimé de commencer par me purifier les mains. Ouais, j'avais bien qu'il y a un truc à faire. Grand-mère disait toujours qu'il faut se purifier les mains avant de pénétrer dans le sanctuaire. Que viens-tu faire ici, jeune fille? Ta grand-mère n'est plus de ce monde. Rentre donc chez toi. Tu ne renonces pas? Alors prépare-toi à affronter mes gardes corbeaux. Leurs regards te cloueront sur place. Avant jusqu'au sanctuaire en t'arrêtant quand les corbeaux te fixent. C'est un peu un 2-3 soleil, ok. Il y a un soin avant pour te prévenir quand même. Soleil. Bon. Enfin, pas de plus. Je refuse donc de te retourner chez toi. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. J'ai promis à ma fleur une journée spéciale. La fleur n'a rien à faire dans ce monde, tout comme toi. Retourne d'où tu viens. Désolée, mais je dois aller prier au sanctuaire. Sans d'ici ta peur et ton corps tremblé comme une feuille. Sois raisonnable, rentre chez toi. Mais c'est que... Il en soit ainsi, nous nous reverrons donc bientôt. Jeune humaine. Perds pas. Ça se trouve, on est en train de rêver en fait depuis le début. Un chemin à droite. Ça mène à la glycine. Mais je dois d'abord prier. Ok. Et voilà enfin arrivé au vieux sanctuaire. Un lieu pour prier et remercier les dieux. C'est la première fois que je viens toute seule.
Je dois commencer par respecter les rituels. Maintenant, faire mon vœu. Grand-mère, je sais que tu veilles toujours sur moi. Et que tu ne souhaitais que ce qu'il y avait de mieux pour maman et moi. Tu m'as dit quelque chose dans mon rêve, mais je n'ai pas compris. T'en prie, reviens pour me le dire à nouveau. Et que ma fleur puisse vivre une journée mémorable. Elle n'en a qu'une seule à vivre, tu sais. Voilà qui est fait. Waouh, elle est devenue magnifique. Coucou Floki, comment ça va? Coucou Madame Sylviane. Coucou Yoriko. Samir, tu as fait le vœu que cette journée soit magnifique, c'est ça? Oui. Tu sais ce que cela signifie? Je ne sais pas trop. Cherche la réponse au fond de toi. Écoute la mélodie du sanctuaire. Et réfléchis bien à ce que tu aimerais que l'on fasse aujourd'hui, pour que cette journée soit unique. Lorsqu'elle touchera à sa fin, tu sauras ainsi que tu as fait de ton mieux. Sans aucun regret. C'est maintenant ce que tu aimerais faire? Je pense, oui. Alors retournons à la glycine pour faire une liste. D'accord, il y a un raccourci juste derrière toi. Calme maintenant. On pourrait peut-être revenir plus tard. On n'a toujours pas trouvé de chapeau pour Monsieur Épouvantail. C'est Semir. Un petit jeu indé sorti en 2021. On découvre ce matin. Avec une histoire triste mais très touchante. Tu vas bien rester un peu plus longtemps au sanctuaire. Nous devons partager cette journée, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Sur ce, préparons notre super liste pour un jour parfait. Déjà, nous sommes allés à la glycine. Est-ce que tu as d'autres en tête? Comme je me suis fâchée avec ma meilleure amie, Chieko, je me sens toute seule. T'es fâchée avec ta meilleure amie? Oui, et ça fait vraiment très mal. Alors nous devrions aller la voir. Il faut parler à Chieko. Ce serait bien que tu te fasses un nouvel ami aussi. En quelque sorte, tu l'es, non? Tu sais bien que je vais disparaître à la fin de la journée. Ah oui. J'aimerais te voir... de faire un nouvel ami dans ce monde. Ça pourrait prendre plus d'une journée. Note-le dans ton journal et nous trouverons bien un moyen. Quoi d'autre après ça? Eh bien, j'aimerais que ma famille aille mieux. Papa est parti et maman est si triste. J'aimerais dire à maman ce que je ressens. Et à papa que je voudrais qu'il revienne. Je comprends, et sinon tu n'as pas envie de faire quelque chose juste pour toi? Quelque chose qui ferait battre ton petit cœur? Il y a bien quelqu'un, oui. Quelqu'un? Un garçon, oui. Dis donc. On peut en reparler plus tard. Je sens qu'il y a un autre endroit que tu aimerais visiter. Il y a bien cet endroit magnifique, oui. C'était la dernière sortie que j'avais faite avec grand-mère. Peut-être que y retourner me fera prendre conscience d'une chose importante. Alors il faut absolument y aller aujourd'hui. Une sacrée liste. Une dernière chose te vient à l'esprit pour ton journal? J'aimerais revoir grand-mère pour comprendre ce qu'elle essayait de me dire dans mon rêve. Ah oui, c'est vrai. T'avais promis, hein? Oui, oui. Je suis sûre que tu pourras la revoir en terminant tout ce que tu as écrit dans ton journal. Mon journal est bien rempli. Ça va être une sacrée journée si on arrive à tout terminer. On n'a pas de temps à perdre, lui. C'est bien beau d'avoir une liste, mais par quoi commencer? Par le début, pardi. Oui, Chieko. Elle se balade parfois en ville. Grand-mère a beaucoup d'amis là-bas aussi. Mais je n'y suis pas retournée depuis sa disparition.
Alors allons-y. D'accord, c'est à l'ouest de la forêt. Ah, ça nous fait pas mal de boulot là. Et on a toujours pas trouvé de chapeau et tout. Comment ça va, Madame Sylviane? Ah, l'histoire, elle est triste, appel, hein. Après, je pense que c'est aussi un jeu pour l'acceptation, tu vois. Après, moi, c'est surtout pour son père et sa mère, ça me fait chier. La grand-mère, bah, c'est la vie, quoi. Ah, il y a un petit lézard que j'avais pas vu. Bonjour! J'ai pas grand-chose à dire. Je ne suis qu'un lézard, après tout. Sang-froid, ennuyeux, rabat-joie. Je te trouve cool, moi. Je suis sûre que t'as un talent caché. On peut rien te cacher. D'aucuns m'appellent le lézard karma. Pourquoi? J'ai juste un nom pour juger les gens, savoir s'ils sont bons ou mauvais. Ça donne quoi avec moi? Ton âme brille comme un plateau d'argent au soleil et continue comme ça. Merci. Ah, c'est par rapport au choix qu'on a fait dans le jeu, j'imagine. Vu qu'on n'a pas balancé le caillou sur le corbeau, tout ça. Imagine, on aurait balancé les cailloux et ils nous auraient dit: tu es une immonde personne. Tu iras en enfer. T'imagines? Le truc qui te pourrit le jeu, tu sais. Ah, toi aussi, Floki, à la prochaine. Prends soin de toi. Passe une bonne journée. Ouah, quelle classe! À la recherche d'un prince charmant? Pas vraiment. Je vois, t'es jeune et amoureuse, c'est ça? Non plus. Pas encore, tu veux dire? Tu savais que ta grand-mère veillait sur toute cette forêt? Je commence à le réaliser, oui. Elle caressait de la terre aux branches en peignant le ciel d'oiseaux et insectes. Insectes? Oh oui, mon ventre crie famine d'ailleurs. Ramène-moi une mouche bien juteuse et je t'offrirai un petit quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire. Ou tout autre insecte goûtu, tant que c'est bon et frais. Frais? Ou genre frétillant, quoi. Bon, d'accord. C'est dégoûtant. On va devoir ramasser des insectes. Quel joli petit sanctuaire. On appelle ça un okora. Il permet d'honorer les esprits secondaires absents du sanctuaire principal. Ah, sympa. Au fait, y a-t-il un dieu pour les fleurs? Aucune idée. Sûrement pas alors. Et s'il y en avait un, je suis sûre qu'il serait aimé de tous. Oh oui. Pour un chapeau, est-ce que Madame Grenouille a... Monsieur... Non, c'est un homme. Monsieur Grenouille, est-ce que tu as un chapeau? Il y a une araignée. Attention, arachnophobe. Une araignée! Ne me dis pas que t'es arachnophobe. Putain! Je l'avais dit avant. Je ne crois pas. Tu as parlé à la grenouille, non? Je t'ai vu. Un peu, oui. Elle t'a parlé de ta grand-mère et des branches et tout le tralala? Oui. Eh bien, sache que je peux attraper bien plus des mouches qu'elle. Même ta grand-mère le savait. Elle m'a tué l'araignée. Et merci pour le follow, monsieur Creeper, bienvenue. Où vas-tu? Je te donnerai même une mouche gratuite. Oh, vraiment? Oui, reviens cet après-midi, je t'en mettrai une de côté. C'est... Les grenouilles mangent aussi les araignées. Hein? C'est de la folie! Prendre l'araignée. Gnarc, J'aime bien en fait parce que on peut être horrible aussi, on peut faire que des mauvais choix. Et nous on est parti sur des bons choix donc on va rester dessus. Mais ça se trouve, il y a deux fins, hein, ça se trouve. Imagine le truc, tu dois le refaire en mode méchant. Non, ce serait horrible. C'était juste pour rire. Reviens plus tard, je vais me donner à fond. Oh, j'avais oublié. Quoi donc? C'est trop escarpé par ici, on ne va pas pouvoir descendre. Et qu'y a-t-il en bas? La ville, mais on ne va pas pouvoir emprunter ce chemin. Heureusement que t'as une fleur volante avec toi alors. Accroche-toi à moi. J'ai peur. Là, je le sens pas du tout.
Mais je le sens vraiment pas. Oh bordel. Oh, le succès quand on arrive en ville. Oh la référence. On va repartir tout de suite. Ok. Il me faut un chapeau. On devrait trouver un chapeau. Il nous a amené super loin. De rien, de rien. Je m'inquiète quand même pour maman. Comment allons-nous rentrer? On trouvera bien moyen le moment venu. Partons plutôt à la découverte de cette ville. Je veux dire que tu peux pas me ramener? Bonjour, Semir. Bonjour. Tu as besoin de quelque chose ou tu te balades? Je fais juste un tour, oui. Ah, ces stylos sont très jolis. Merci. Ils ne rapportent pas des milliers de cents, mais j'aime bien les avoir en magasin. Au fait, connaissiez-vous ma grand-mère? Bien sûr, comme tout le monde. Elle disait avoir une amie ici et qu'elle aimerait bien que je lui rende un service. Ah, quel genre de service? Je me souviens bien, cette amie avait quelque chose à dire à un être aimé. Ce n'est sûrement pas moi alors. Ah, désolé. Si tu sens l'envie d'aider, j'aurais bien quelque chose à te demander. Bien sûr. Il faudrait aller porter un paquet à mon mari, le vendeur de thé. Le vendeur de thé? Il est près du parc, non? Ah oui, pardon, je n'y avais pas pensé. Il n'a certainement pas envie d'y retourner. Non, non, ça va, si c'est pour aider, je veux bien. Gentil à toi, merci. Tu viens bien lui apporter ses fournitures. Ça m'aiderait beaucoup. On va le faire, ouais. Par contre, n'oublie pas que le dernier bus est en fin d'après-midi. Inutile d'y aller trop tôt. Tu as largement le temps. D'accord, merci. Que dirais-tu de jeter un coup d'œil à mes stylos? Ah, on peut acheter des stylos. Alors, on n'a pas beaucoup de pièces pour le moment. Je sais pas si ça va être utile pour la quête. On va prendre un stylo étoile. Après, je sais pas si on peut revenir. Ah, si. On peut re-rentrer. Je suis un peu emmerdée parce que j'ai peur de louper un truc. On a beaucoup de choses à faire. Du coup, on a un nouveau stylo. Ah, il est beau celui-là en fait. Il est même plus beau que les autres, je trouve. C'est le moins cher. Ça, ce sont les tampons à notre nom qu'on utilise à la place de signer. Il y a 5 jouets différents là-dedans, mais ça coûte une pièce à chaque fois. Tente ta chance. Oh, la chance, c'est le plus rare. Ah, mais il y a le truc clochette et le truc... En fait, il faut collectionner des porte-clés. La clochette, c'est pas pour utiliser la clochette du chat, c'est un porte-clés comme la fleur. Ah, c'est toi? Bonjour, Checo. Tu vois que t'as toujours ce machin dans les cheveux? Et alors? Et alors, je la trouve jolie, moi. Ma fleur dans les cheveux, je la trouve jolie. C'est passé de mode, ma pauvre. Je ne savais pas. Ça se présente mal. Bref, comment était ta fête d'anniversaire? J'étais toute seule, donc. Quel dommage. En tout cas, je reviens juste de mes vacances en Europe, là. C'est elle, son amie? Oh putain, ça craint. Mon père m'a acheté une tonne de vêtements et la mère était trop belle. Rien de tel qu'un voyage pour devenir une vraie demoiselle. Génial. Tu peux le dire, oui. C'est quand même dommage que Kenji ne te rende plus visite. Tu connais son ami Beau, d'ailleurs. Pas vraiment. Il traîne tout le temps avec lui. Bonjour le loser, tu ne trouves pas? Je connais que de vue, tu sais. On est qu'entre nous, hein, tu peux le dire que c'est un loser. Allez, dis-le. Pas dire ça, désolé. Mais je trouve... Désolé, je trouve qu'il a l'air sympa. Bien plus que toi, en tout cas. Eh bien, t'as dû en répondre. Je suis sûre que t'aimerais bien qu'on traîne à nouveau ensemble. Je sais pas, là. Choix, elle donne pas très envie, mais je sais pas quel est le bon choix. Le choix est un peu dur, hein. C'est une petite peste, mais après peut-être que le bon choix c'est de passer outre, et ce qui est pas évident, c'est
dur, hein. À votre avis, c'est quoi le bon choix? Ça me paraît un peu compliqué de faire le bon choix, là. Même la fleur, elle est décontenancée, quoi. Elle a une tête, genre... Passe-t-il? Que faire? Non, pas d'idée, les chocobos? Quel meilleur choix? Voilà. Bon, j'imagine que ça doit être ça, mais je suis pas sûre. Bon, je dois y aller. Je suis quand même désolée pour ta grand-mère. Vraiment? Elle était super, elle est toujours très bien habillée. Je savais pas que tu l'aimais bien. Tu as besoin de renouveler ta garde-robe, la boutique de ma mère est juste ici. On pourrait discuter encore un peu si tu veux. Je dois aller voir des copines, moi. J'en faisais partie avant aussi, non? Désolée, mais je n'ai pas le temps. Surtout que maintenant, je préfère m'amuser plutôt que parler de sentiments. C'est pas sympa. Un jour, tu vas... Je vais... Un jour, tu vas surtout arriver à dire ce que t'as vraiment sur le cœur et tu verras que ça ira mieux. Mais j'en doute. Je sais qu'il y a du bon en toi, mais t'es sacrément doué pour le cacher. C'est vraiment une peste. Moi, je propose de la... de l'exterminer. Tu vois, comment veux-tu qu'on devienne amis à nouveau amis? C'est-à-dire... T'as quand même bien vu sa façon d'agir, non? Avec sa ceinture rose, sa petite robe et son regard glacial. Je pensais que c'était ton ami avant. Oui, c'était d'ailleurs ma meilleure amie. Et je doute qu'on puisse l'être à nouveau. T'en es sûr? Oui, enfin non, je sais plus. Ferme juste un instant les yeux et imagine qu'elle soit à nouveau ton amie. Alors? Elle est parfois très méchante et je n'aime pas ça. Et tu voudrais redevenir son amie malgré tout? Je ne sais pas trop. Elle m'a vraiment fait mal. Mais je l'aimais tellement autrefois. Ah. C'est un souvenir? On est où? Ouais, c'est un souvenir. Elle m'a montré et fait ressentir tant de nouvelles choses. Et tout finit par changer, même les gens qui nous sont chers. De nouveaux amis arrivent, tandis que d'anciens s'éloignent. Elle est un peu devenue pour gâter, quoi. Et elle veut bien se faire voir par tout le monde. Mon anniversaire est arrivé juste après la disparition de grand-mère. Maman pensait qu'il fallait quand même organiser une fête. J'ai invité tout le monde, mais personne n'est venu. Jeko avait organisé une fête chez elle à la place, sans même m'en parler avant. Ah ouais, c'est une sacrée peste. Presque une amitié se termine ainsi. Que veux-tu vraiment du coup? La rayer totalement de ta vie ou la récupérer? C'est-à-dire? Pardonner ou blâmer? Ouais, enfin pardonner, il y a quand même... Là, tu demandes un gros truc, quoi. Faudra régler ça aujourd'hui de toute façon. C'est dans ta liste. Alors? C'est pas vraiment. C'est un peu dur de pardonner ça quand même. Même la mère, elle a l'air horrible. Bonjour, je m'attendais pas à devoir venir ici. Bonjour. Une amie de Chico, non? Mon petit ange en sucre? J'imagine que je l'étais. Que tu étais quoi? L'ami de votre petit ange en sucre? Eh bien, viens juste de partir, tu peux donc faire de même. Il ne faudrait pas effrayer le chaland, n'est-ce pas? Et si j'étais venue acheter quelque chose? Je ne pense pas pouvoir t'aider, ma chère. Même si certains de mes accessoires de coiffure pourraient impressionner les garçons. Vous savez ce que les garçons aiment, vous? Tu sais qu'ils ne parlent... Ils ne parlent tous que de mon petit sucre d'orge. Tu veux jeter un œil à mes articles? Fais vite. Tu pourrais voir ce petit manteau? Oh, j'avais oublié qu'il était là, lui. Il est très fashion, tu sais. Es-tu sûr qu'il corresponde à ton look? C'est pour un ami, un très petit d'ailleurs. Ah. Et il y a tout plein de trucs. Heureusement qu'il y a... Ah, mais il y a le chapeau aussi. Est-ce que je vais avoir assez pour le chapeau?
parce que le chapeau, ça, j'ai un délai. Alors que le manteau, on n'a pas de délai. Faudrait faire gaffe. Est-ce que je peux retourner dedans à chaque fois? Ah, Chocobo s'adore. Coucou Nasfelt. Coucou Mister Pacotail. Dure le café. Café les gens. La boîte aux lettres. Moi je préfère parler aux gens en face quand j'ai quelque chose à leur dire. C'est pourtant parfois plus simple d'écrire. Il faudrait qu'on écrive aux garçons. Le bureau de poste. C'est fermé par contre. Revenons plus tard. Là-bas il y a une pièce. On trouve plein de pièces quand même. Bienvenue chez Johnny. Tu as un sacré bon karma aujourd'hui. Bien joué. Merci. Il est cool quand même. Tu trouves? Installez-vous les chocobos. Installez-vous avec nous. Bienvenue chez Johnny, j'espère que tu passes une jolie journée. Je sais. Désolé, ce n'était pas une vraie question. Je répète juste ce qu'il y a dans le manuel. Du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai une mauvaise journée? Ne dis pas de bêtises, tu auras une jolie journée. Vous me perturbez là. Nous sommes deux comme ça. Que dirais-tu d'une boisson? C'est une pièce. Bah, une seule pièce. Ça peut être pas mal, mais après, on m'a pas demandé à manger pour le moment. Pas pour l'instant. Je ne chercherais pas un travail par hasard? Un travail? Je suis pas un peu trop jeune? Ah, c'est pas faux. Désolé, je travaille tellement que je sais plus ce que je dis. J'aimerais tellement qu'ils embauchent. Désolé, je fais juste un tour. Au plaisir. Ouais, du coup, à chaque fois, je dois refaire là. En fait, c'est que j'ai peur de pas pouvoir acheter les trucs qu'il faut. Voilà, on a déjà fait le tour. Sans comment? Mieux que j'aurais pu imaginer. Tant mieux parce que les choses sérieuses vont bientôt commencer. Hein? Prépare-toi. À quoi exactement? Cette journée ne sera pas qu'une promenade de santé et ensoleillée. Des choses bien plus sombres nous attendent. La lumière ne pourra être atteinte qu'en traversant l'obscurité. Quel genre d'obscurité? Celle qu'on retrouve dans chaque ville, dans chaque vie. L'endroit où toutes les ombres se retrouvent. Rien que ça. Un bien vilain endroit en somme. Tu ne serais pas en train de parler de la maison des Tanaka? Chut, pas si fort. Tu la connais? Même d'où je viens, on connaît la maison des Tanaka. Chut! Quoi qu'il en soit, je n'y mettrai pas les pieds. C'est là-bas que les petits voyous traînent. Tu vas pourtant peut-être devoir y pénétrer. Certains événements ne peuvent être évités. En attendant, allons plutôt au terrain de jeu. Il faut que je juste continuer tout droit. Allez hop! Alors je vais peut-être aller acheter le manteau, du coup qu'il n'y a pas de chapeau. Et re-appel. C'est pas fermé l'école aujourd'hui? Je croyais qu'il y avait les grèves. Je peux pas retourner en... Ah d'ailleurs, un joyeux anniversaire. Je pense pas qu'ils comprennent, mais... Enfin, je sais pas. Je sais pas à partir de quel âge ça fait plaisir aux enfants. Tu vas faire un gâteau avec la nounou? Part, tourne en arrière. Ici, c'est Kenji. Ah oui, Kenji, c'est qui? C'est le garçon populaire du moment à l'école. Il est si gentil avec tout le monde. Tout le monde? Enfin bref, je peux pas aller lui parler comme ça. Ok, si tu peux. Et Semi, coucou.
Va bien? Ça peut aller. C'est quoi de beau? Je viens de me balader en ville, pourquoi? C'est juste qu'on ne se voit plus trop ces temps-ci. Enfin, depuis. Oui, c'est vrai. Ça va depuis? Bien sûr. Si ça te dérange si je reste un peu pour regarder les nuages? Quelle question, je n'ai pas privatisé le ciel. Si joli. Elle a dit quelque chose. Tu as vu Tcheko aujourd'hui? Ouais. Tu sais, à propos d'elle. Oui. Je sais quelque chose d'horrible sur elle. Non, on n'est pas comme ça. Coucou Enzia. Nous, on va le faire avec sa sœur. Ah. Ça va être cool. C'est triste qu'on ne soit plus amis. C'est dommage, ouais, on s'amusait bien tous ensemble. Et sinon, que fais-tu ici? Je me cache sous cet arbre pour éviter ma mère. Pourquoi donc? Comptais t'en parler plus tard, mais. De quoi? Je vais déménager. Je viens juste d'apprendre que j'ai été acceptée en sport-études baseball. Je pars avant la reprise des cours. Oh. Comme je pensais que t'aurais aimé être au courant. C'est si soudain. Tu pars pour combien de temps? C'est peut-être pour toujours. Ah, bon. Ton chez-toi ne va pas te manquer? Je ne pense pas, non. C'est qu'une prison, de toute façon. Hein? On te garde captif jusqu'à ce que tu agisses comme ils veulent. Je veux dire, t'as pas le choix, aucune porte de sortie. Ils te forcent à ce point? Aller en sport-études, obtenir une bourse, devenir médecin, me marier avec Checo. Quoi? T'es bien trop jeune pour ça. Dans le futur, hein? Mais mes parents adorent la mère de Checo, ils sont totalement sous son charme. Du coup, je dois sortir avec Checo. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. Même les autres à l'école, sans parler des profs. Et toi, dans tout ça, c'est vraiment ce que tu veux? Je ne crois pas, non. Moi, j'ai plutôt toujours rêvé de devenir un créateur de baskets. Créateur de baskets? Ouais, j'aimerais trop faire de super chaussures. Il est grand, hein, comparé à elle. Travailler dans mon petit atelier du matin au soir, tu vois? Je mettrai en vitrine mes plus belles créations. Et ce serait moi qui choisirais à qui je les vendrais. Eh bien, ça semble être une super idée. Moi, je n'ai pas vraiment les moyens de m'acheter une nouvelle paire. Ton père a pourtant un bon boulot, non? Oui, mais il a besoin de son argent pour la vie en ville ou je ne sais quoi. Et sinon, tu penses vraiment que Checo serait intéressé par un créateur de baskets? Sa mère lui commande toutes ses paires directement de Paris, donc. Je suis sûre que les miennes lui plairaient. T'es donc certain de vouloir faire ça plus tard? Pas sûr de chez sûr, non. Si je pouvais continuer à traîner avec Beau et jouer, je le ferais. Oui, mais ça ne rapporte rien, ça. Ouais, j'imagine que je vais encore devoir frapper quelques balles avant de trouver vraiment. T'es toujours autant attaché à Checo, du coup. Ça peut se comprendre vu comment elle est cool. Mal au ventre tout à coup. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Viens vite par ici. Et? Il m'emmène où? Pourquoi t'as fait ça? T'étais en train de te décomposer devant lui. Je trouvais au contraire que ça se passait plutôt bien. C'est un garçon, hein, pas un extraterrestre. C'est pas une raison pour m'embarquer. Même si je dois bien reconnaître que c'était impressionnant. Si tu veux voyager rapidement, tu n'as qu'à demander. Ça fait aussi partie de notre accord. Ah oui? Bien sûr, tu n'as qu'à essayer pour voir. Tu sais bien que t'as un plan dans ton journal, hein? Ouvre-le, choisis d'aller à la glycine. Faire ça? Nutella, comment ça va? Tu vois, rapide. En effet, ça pourrait être bien utile. Retournons maintenant en ville avant que Kenji ne parte. J'imagine qu'il doit se demander ce qui s'est passé quand j'ai décollé. Même pas, j'ai voilé son regard avant de t'emporter. Il doit juste se dire que tu t'es enfui au courant. Y a-t-il? Je crois que j'ai des papillons dans le ventre. Oh? Eh bien, en pensant à une certaine personne, quoi. Quelqu'un pour qui je ressens des choses. Dis donc. Attends! Faisons ça dans la règle de l'art. Ferme les yeux et imagine cette personne. Tu as des sentiments pour quelqu'un. Une personne qui a une place spéciale dans ton cœur mais qui l'ignore. Ah! Vois-tu de qui il s'agit? Oui. Son beau regard et son tendre sourire. Que ressens-tu? De la joie mais aussi de la tristesse. Viens-tu du dernier moment agréable passé en sa compagnie? Oui, je m'en souviens. Ah!
Un souvenir. Alors qu'il était dans mon jardin, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Je lance des fusées dans le ciel. Tu veux essayer? Je lui ai demandé de ne pas les lancer sur le pauvre épouvantail. Qu'est-ce que t'es gentil. On n'a qu'à les lancer ailleurs. Dans les nuages. J'avoue, le pauvre petit épouvantail, il se prend tout dans la gueule. J'ai toujours pas trouvé de chapeau pour lui. Je sais pas si je vais réussir à trouver. C'est à ce moment que les corbeaux nous sont tombés dessus. Ils criaient si fort, c'était comme entendre ma mère hurler après. Nous n'étions que des enfants sans défense. Mais ça n'allait pas durer. Ah, quoi qu'il a une casquette, on peut pas récupérer sa casquette? Peut-être que ça a effrayé les corbeaux? Que je dois faire? Coucou Eden, coucou Noob Master. Allez-vous les... Peut-être qu'il faut sortir de par là-bas. Dès lors, il ne revint plus aussi souvent à la maison. Je l'ai croisé quelques fois à l'école, mais ce n'était plus pareil. J'aurais peut-être dû dire ou faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Pourquoi certains événements restent-ils ainsi gravés à jamais dans notre esprit? C'est qui du coup? Tu ressens quelque chose pour lui, mais tu ne lui as jamais rien dit, c'est ça? C'est Kenji. Tu ferais mieux de l'écrire dans ton journal. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on gagne le cœur de l'heureux élu. Retournons au terrain de jeu pour lui parler. Tu veux bien m'y emmener? Je peux t'emmener où tu veux. Montre-moi où tu veux aller sur le plan de ton journal. Comment ça va, tranquillou? Bah, qu'est-ce que tu deviens? Tout va bien? T'as passé des bonnes fêtes? Il est pas mal ton nouveau pseudo. Ah, merci. Gentil. J'ai un peu changé mes horaires, mais pas tant que ça depuis un an et demi. Ça va pas dépayser. Non, c'est pas la rizière, c'est où je dois aller. C'était où le... J'ai pas de chapeau. Il est pas encore midi, je pense, donc c'est bon. Et je sais pas qui va me donner... Moi, ça a été dans l'ensemble des petites merdes, mais dans l'ensemble, c'était super cool. Ma nièce commence à bientôt, elle va bientôt marcher, donc c'était assez cool. On va voir comme ça. Et un manteau. Ah la gueule! Merci, j'ai bien chaud maintenant. Ça me rappelle une de mes vies antérieures. Mais c'est bizarre de trouver le manteau avant le chapeau, non? Voici une petite pièce pour te remercier. C'est quand même bizarre. Hein. Oh, j'ai jamais fait de stream Rocket League. Je déteste ce jeu. Alors moi, tout ce qui a rapport avec le foot, je ne porte pas. Peut-être qu'à la maison il y avait un chapeau. On aurait loupé. On avait pris. Là il n'y avait pas de... J'ai pas vu de chapeau à la maison. Est-ce qu'on peut retourner sans foutre rien la partie? Y a pas l'air d'avoir de chapeau. J'ai un chapeau dans ma maison. Y a ça, alors ça fait un masque. On va le prendre. Ça va être toi. Bien dormi. Et un cap humain sauvage apparaît.
Il y a un sac là. Ah non! C'est pour prendre l'argent demain. On l'avait déjà fait le sac. Un petit... Oh, trop bien. Bah moi, tranquillou. Une belle petite histoire, là. Un peu triste, mais très bien. Ces fleurs ont dû être plantées par quelqu'un. Ta grand-mère a travaillé dur, oui. Ça semblait si facile pour elle. On n'avait pas fait celui-là. On l'avait loupé. S'en avait fait. Allez, petit dégage, je trouve pas de chapeau. Plus on avance sur la quête et plus ça avance le temps aussi, donc il faut lui donner avant midi. Et là je vois rien. Et puis lui il m'a donné de l'argent mais il m'a rien donné d'autre. Un chapeau, quelque chose ici qu'on aurait loupé. Je pense pas. Bah, c'est un jeu pour le chat, comme tu viens de faire. T'as l'onglet sous le stream avec les Pokémon que t'as capturés. T'as le magasin pour acheter des balles. Tu peux même faire des combats avec d'autres et tout. Et ton équipe. Des échanges. Donc pour faire les combats, faut que tu aies au moins 6 Pokémon. Je les ai mis dans une équipe. Et non, mais je vais pas. Alors lui, il veut. Ah, faut que tu ailles là. Voir à toutes les commandes. Sinon, bah sur l'onglet en bas. J'ai vu la Héloïse. Alors. Ah putain, alors fait le blabla, faut pas qu'on se trompe. Parce que là, tu vois, Nyark. Pas se faire, ne pas faire l'erreur. Pas de chapeau là. Elle m'a donné un truc pour le parc, mais... Ça doit être après. Ah, ça a ouvert la poste. Bonjour, jeune fille. Voudrais-je plutôt t'appeler troisième maison des rizières par-delà le ruisseau glacé? Ma maison, ça, comment? Je doute bien que je connais toutes les adresses du coin, je ne rate pas une seule livraison. Comme chacun, j'ai mon lot de responsabilités. Quelles sont les tiennes? J'essaie de faire vivre un jour parfait à une amie. Voilà qui est bien louable. Tu sais un peu comment fonctionne cette poste? Prenez les lettres et vendez des timbres. Ce serait trop simple. Ici, nous permettons aux gens de coucher sur le papier les mots trop douloureux à prononcer. C'est le travail le plus important au monde. Waouh, mais en fait, oui, il y a une chose que je n'arrive pas à me résoudre à livrer. Accepterais-tu de m'aider? Vous aider? Mais c'est vous le facteur. C'est un message que je ne peux livrer en personne. Veux-tu bien me donner un coup de main? Bon, d'accord. De quoi s'agit-il? Elle n'est pas sur moi.
Un cadeau spécial pour la dame des sources chaudes. Quel genre de cadeau? Eh bien, elle aime beaucoup le miel. J'aimerais donc lui offrir un pot de miel spécial. Et vous n'en avez pas? Non. Ce serait très gentil d'en trouver un puis de lui apporter avant la fin de la journée. Vous pourrez prendre le dernier bus de la journée un peu plus tard. Prends ça pour un oui. À chacun ses responsabilités dans cette vie. Faire de mon mieux. Tiens d'ailleurs, j'ai une lettre pour toi de la part de ta grand-mère. Elle voulait te la donner avant le drame. Vraiment? Montrez-moi ça. Ma tendre Semir, tu verras que plus tard tu regretteras de ne pas avoir écrit plus de lettres. Elle permet de dire à tes amis et à ta famille tout ce que tu n'as jamais réussi à formuler. C'est d'ailleurs pour cela que je t'écris. Je souhaite te dire à quel point je t'aime, ma chérie. J'ai encore tellement de choses à te dire, j'espère en avoir le temps. Tu devrais écrire une lettre à ton tour. Et c'est... Gros bisous, grand-mère. Elle veut que j'écrive une lettre à quelqu'un? Eh bien, qu'attends-tu? À qui sais-tu écrire? Oh! Est-ce qu'on peut en choisir qu'un? Ah, c'est dur! Peut écrire à chaque personne, à votre avis? Soit on écrit une lettre à Kenji dont on est amoureuse secrètement qui va bientôt déménager. Soit on écrit à Shiko qui est devenue une peste mais avant c'était notre meilleure amie. On écrit à notre père qui s'est barré en ville. Et qui ne nous a pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Peut-être que si on donne des nouvelles à notre père, peut-être qu'il va revenir à la maison. Je pense que c'est le plus important en vrai. Mais les trois sont sympas mais... On écrit plutôt à notre père, j'imagine. Dans les trois cas, c'est quand même le plus important, quoi, celui qui a le plus d'impact. Qu'est-ce que vous en pensez? Chocobo. Copulga. Matteo. Là-dessus. Après, peut-être que je pourrais écrire aux autres aussi, mais en payant. Peut-être que c'est la première qui est gratuite et les autres, parce qu'ils nous mettent de l'argent, donc c'est ça qui est bizarre. Donc j'imagine peut-être que la première est gratuite et après tu peux faire plus. Si on fait si on peut faire plus, je ferai plus. Dans le doute, on choisit le papa, ouais. Commence par réfléchir à qui tu veux écrire. Ok, maintenant écris son nom, c'est bon? Oui. Il ne te reste plus qu'à lui dire ce que tu as sur le cœur. Eh bien, il me manque énormément et je voudrais qu'il revienne à la maison. Je ne suis pas très doué avec les mots. En plus, il habite très loin à la ville. Ne t'en fais pas, il aura ta lettre dès demain. Sans doute verser quelques larmes sur le papier en écrivant. La lettre sera dans tous les cas livrée, c'est mon travail. Papa, le jour de ton départ, tu m'avais demandé si j'avais quelque chose à te dire, mais rien ne m'était venu. J'ai toutefois quelque chose à te dire. Je t'en veux énormément d'être parti, ça m'a brisé le cœur. Semir. Au moins ça s'est dit. On n'a plus qu'à la poster. Je n'ai pas juste à vous la donner? Non, désolé, je suis bien trop occupée là. De toute façon, c'est toujours plus amusant d'utiliser une boîte aux lettres. Une fois postée, c'est terminé, pas de machine arrière possible. C'est vrai, oui. Ah, c'est trop triste. Allez, poste. Ça fera comme si j'avais dit à mon père ce que j'avais sur le cœur. Peut-être, mais il habite trop loin. Il n'aura pas la lettre avant demain. Voilà. Ben, succès déverrouillé. Ah ouais, on peut envoyer à d'autres. On va faire... On a trois pièces. Après c'est chaud parce qu'en fait tu peux acheter plein de cosmétiques pour ton perso ou utiliser cet argent pour faire des choses plus importantes. C'est un peu comme moi quand je préfère mettre l'argent pour faire des cadeaux aux êtres chers plutôt que prendre des fringues pour moi. Là t'as le même truc. Bon, on est d'accord, c'est plus important d'envoyer des lettres, hein. Et de s'acheter des baskets.
Bah, le problème, c'est que. On peut pas vraiment attendre parce que t'as le temps qui passe, Lizzie. Et par exemple, Kenji et Checo, je dois les voir dans la journée. Donc peut-être que si j'envoie la lettre maintenant, ils l'auront avant et ça va nous aider. Mais si j'envoie après, ça sera trop tard. Du coup, t'as cette problématique-là. Tu vois le souci? Alors ouais, il faudrait que je trouve le chapeau avant, mais il est pas dans les boutiques, les chapeaux. Oui, le papa. Mais le papa, il habite loin dans la ville. Là, tu sais quoi, il habite à côté. Ça se trouve, il va prendre la lettre, il va l'emmener. Et je peux pas savoir si je pourrais toujours revenir dans la ville. Si le bureau de poste, il sera fermé. Parce que le bureau de poste, à la base, il était fermé. Là, il est ouvert depuis pas longtemps, mais peut-être qu'il va fermer, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère quand même le faire maintenant. Parce que sinon on va regretter après. Par contre d'abord Kenji. J'aime cette personne, dis-le lui. L'aimer? Tu l'apprécies simplement, dis-le lui aussi. Ou si tu aimerais revoir cette personne en tête à tête, dis-le lui. Ce serait bien, oui. Kenji, je t'aime beaucoup. Je n'arrête pas de penser à l'époque où on jouait tout le temps ensemble. J'aimerais bien être ta petite amie. Si tu veux bien, coche oui en dessous. Samir. Elle est nulle, ma lettre. Voilà, j'ai terminé. Elle est nulle, ma lettre. Allez. Tu vois, regarde, dans le journal... Se sentir aimé par Kenji, c'est pas tout de suite. Alors peut-être que Checo, ça va peut-être pas aider, on sait pas. Mais sur la fin de la liste, mais le problème c'est qu'on peut pas trop savoir avant, donc si après ils ferment, parce que si c'est la poste comme chez moi où ils ouvrent que 2 heures, c'est pas dans la merde. Si elle te manque, dis-le lui. Si elle t'a blessé, dis-le lui. Vide ton sac une bonne fois pour toutes. Comme si c'était le dernier message que tu voulais lui transmettre. Ouais, c'est pour ça, tu sais pas trop. Checo, ça m'avait fait très mal que tu fasses une fête le jour de mon anniversaire. J'avais envie que tu souffres aussi. C'est vraiment horrible. Notre amitié est morte pour de bon. Semi. J'adore celle-là. J'avoue, elle a été horrible. Au moins maintenant, elle le sait. Bon, peut-être que ça va la faire changer, elle a peut-être réalisé. Petit kiwi, comment ça va? Bah non, parce que ça va peut-être faire réagir l'autre, que c'est une petite peste. Genre en fait, on a perdu notre grand-mère, il y avait notre anniversaire, on a envoyé des invitations à tout le monde, et notre meilleure amie a décidé de faire une fête dans sa maison à elle pour que personne vienne à notre anniversaire. Donc à un moment donné, si personne lui dit que c'est une horrible personne... Alors à Johnny, il nous reste une pièce, à Johnny on peut acheter un verre d'eau, enfin une boisson, une pièce. Et maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour l'heure? Checo. Non, Kenji. Pourquoi tu me dis ça? On y est déjà en train d'y aller. Y'a que toi? Tu vas être tout seul? Que se passe-t-il? Kenji et Tomo discutent. Qui est Tomo? Tomoko est la nouvelle meilleure amie de Checo. Elle essaie de te voler ton copain. Vraiment, il était mon copain. T'as quand même pas resté les bras croisés. C'est que... Approche-toi en douce pour les écouter. Donc... La petite... parle de Semir. Et le reste cloîtré... Elle reste cloîtrée à sa maison. J'aime bien le riz, moi. Ouais, mais son père... On était amis, hein? Oui, tout le monde le sait. C'est une nouvelle peste, elle aussi. En tout cas, une des filles t'aime bien, tu sais. Yoko? Checo? L'une d'elles, c'est tout ce que je peux dire. Si tu veux en savoir plus, va voir dans ta base secrète. Qu'est-ce qui m'y attend?
Une jolie jeune fille, imbécile. Ah. Il a oublié son chapeau pour le donner à l'épouvantail. Bonjour Tomo. Il adore être titillé. Tu le suis partout en douce, c'est ça? Pas du tout, je passais juste par ici. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais pas qu'il a le béguin pour toi. Ah bon? Ah, elle a bien fait d'envoyer la lettre. Mais oui, imbécile, il parlait justement de toi. J'ai du mal à te croire. T'as laissé sa casquette après tout. Au pied de l'arbre, là. Oh. T'as juste à lui avouer tes sentiments et le tour est joué. Tu ne pourrais jamais, je... Ça pourrait devenir le plus beau jour de ta vie, hein. Pourquoi laisser nous aider? Peut-être que c'est une blague, en fait, je sais pas. Je vais lui dire de te rejoindre au banc avant midi, ok? Pourquoi tu ferais ça pour moi? Je croyais que tu m'aimais pas beaucoup. Mais non, voyons, je t'aime bien. Ça sent le piège, ça. Je joue juste un peu les méchantes quand les autres sont là, tu sais. Fais-moi confiance et va attendre sur le banc tagué, ok? Et souviens-toi, juste avant midi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire en attendant? On aura bien quelque chose. T'as qu'à aller te moquer de Beau, il est au terrain de baseball, là. T'as entendu la même chose que moi ou j'ai rêvé? Kenji, on pense pour toi. Oui, mais est-ce que je peux faire confiance à Tomo? On s'en fiche, Kenji est plus important que tout. On dirait que tu l'aimes encore plus que moi. On a trouvé la casquette. Il faut qu'on le donne à l'épouvantail. En priorité. Parce que l'épouvantail, c'est avant midi. Bon, moi, ça va tranquillou, petit kiwi, tranquille, tranquillou. Découvert 12h ce matin. Ouais, bah, t'as vraiment des pestes. Après, est-ce qu'elles vont finir par devenir gentilles? Oh, tu es revenu? Bien sûr! Tu pensais que non? Tu sais, il n'y a bien que le vent, la pluie et les méchants corbeaux pour venir voir un pauvre épouvantail comme moi. Enfin bon, tu l'as? Le chapeau? J'espère tellement que oui. Tadam! Ça me va bien? C'est la grande classe. Merci, si Axel et Corbeau ne m'aiment pas. Quand bien même ce serait le cas, sache que moi je t'aime bien. Accepte cette pièce en guise de remerciement. Donc les trois autres, on peut pas encore les faire. Et une pièce. Il est vraiment tout pipi ce jeu. Vraiment, vraiment. Tu l'avais bien marché. Oui, mais on sait ça. Alors, ici, c'était pour acheter ces petits trucs comme ça, mais pour notre journal. Il y a les porte-clés. D'autres ici en Europe et apparemment il y en a qui embêtent Beau. Mais les gens peuvent être bêtes parfois. On ne peut vraiment rien y faire. Il n'y a pas de baguette magique, non. On peut pas effacer. On dirait qu'une bête vit là-dedans. Mais elle a dû partir faire un tour. Là, il y aura une bestiole à voir par la suite. On n'a rien pour effacer. Voilà Kenji. Ou pas. C'est Beau. Il a l'air rigolo. Je ne sais pas trop. Ah oui? Il traîne dans le parc comme une âme en peine. Je croyais que tu voulais te faire un nouvel ami. Tu pourrais t'entraîner avec lui. Peut-être bien, oui. Mais je ne sais même pas comment m'y prendre pour me faire de nouveaux amis. Je dirais qu'il faut partager de bons moments, proposer son aide, puis se confier à eux. C'est aussi simple que ça? Va donc lui parler. De toute façon, rien ne t'oblige à l'apprécier. J'ai jamais dit que je l'appréciais pas.
Parle-lui. Salut beau. Va bien? Cette vilaine fille, on dit que j'étais pas capable d'aller dans la vieille maison des Tanaka. Hein? J'espère que t'as dit non. Oui, mais du coup, elles m'ont poussé dedans. Je les ai enfermées derrière moi, j'ai frappé à la porte en pleurant un moment. J'ai crié fort aussi. Oh non. Quand j'ai réussi à sortir, elles se sont toutes moquées de moi. Il faut jamais aller dans cette maudite maison. Je sais bien. Mon pauvre, tu fais quoi du coup maintenant? Je joue à un jeu. J'adore les jeux, moi, c'est quoi? Tu vas trouver ça nul. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est un jeu que j'ai créé. Je t'assure que ça ne va pas t'intéresser. Ah, c'est toi qui as fait les règles? Oui, tu veux essayer? Les cartes sont très jolies en tout cas. Tu trouves? Oui. Tu peux jouer? Bien sûr. Assieds-toi. Alors, c'est quoi? Bon, quelles sont les règles? Tu dois combattre avec le héros de ton choix. S'il perd tous ses points de vie, c'est perdu. Ok, qui pourrais-je bien incarner? Semir la sorcière conviendrait parfaitement. T'as fait une carte avec moi dessus? J'ai fait une carte de chaque personne que je connais. Je connais pas pourtant. Un petit peu quand même. Bon, moi, je vais jouer Messire Kenji. Tu joues Kenji? Ouais, c'est ma carte préférée. En même temps, tout le monde l'adore. Je vais maintenant mélanger les cartes et en donner 5 à chacun. Voilà tes 5 cartes. Ne les montre pas, hein? Entendu. Les cartes corbeaux servent à attaquer. Encore des corbeaux. Les bleus servent à se défendre. Tu ne peux en jouer une que si tu es attaqué. Les violettes sont des cartes spéciales pouvant être utilisées à la place d'une attaque. Essayons donc en situation. Boum, double corbeau. J'utilise une bleue pour me défendre, c'est ça? Qu'est-ce que tu as comme bleu? Une avec un miroir dessus. Oh, ça permet de renvoyer les dégâts à l'adversaire. Boum. J'aime bien ce jeu. Eh, c'est ma réplique, ça. Pardon. Bref, c'est à toi de jouer. Ah, c'est la serveuse de chez Johnny. Ah, je crois qu'il est légèrement amoureux, lui. Quand tu vois le dessin comparé au mien et à Kenji. Ouais, il est sympa, celui-là. Alors, celui-là, ça fait très mal, mais s'il me renvoie un miroir, on est un peu dans la merde. On va commencer léger. Voilà. Je sais s'il annule ou quoi. Ma princesse, elle rend 5 points de vie. Ma princesse. Son visage me dit quelque chose. Pas du tout, elle sort tout droit de mon imagination. Mais c'est la serveuse de chez Johnny. Mais non, voyons. En tout cas, t'as pas lésiné sur les courbes. C'est d'être le plus fidèle possible à la réalité. Tu aurais moins pu éviter de lui faire prendre cette pause. Désolée. Yuko et Tomo, dégâts x2 sur elle et x1 sur toi sur le plateau. Attends. Je sais pas trop comment ça marche. Yuko et Tomo, elles font la paire ces deux-là. Si seulement elles pouvaient s'en aller loin d'ici, ça nous ferait des vacances, oui. Oh oui, bref, cette carte fait 2 fois plus de dégâts à l'adversaire mais lance aussi une attaque sur toi. Ça ressemble bien à ces deux shippies. Mais c'est... J'en étais sûre. Tu vois les autres filles comparées à elles, le dessin, tu sais. C'est Checo, ça? C'était copine avant, non? Et oui, maintenant, elle... Enfin, peu importe. Une fois, les Tomoko m'ont enfermé dans un casier à l'école. Elles m'ont laissé dedans jusqu'à ce que je ne tienne plus du tout. Et quand elles m'ont laissé sortir, la porte des toilettes était verrouillée. Elles sont si cruelles. Par contre, il vaudrait peut-être mieux de ne pas raconter ça. En effet. Oh, t'as un quadruple corbeau? Oui. C'est la plus puissante des attaques du jeu. Il va faire quoi du coup? Mais il a mis la... Ah non, ça marchait pas comme ça. C'était une x2. J'ai cru qu'il m'attaquait avec x2 et tout. J'ai pas compris sa carte. Mais c'est l'épouvantail des rizières. C'est un bon ami à moi. Eh bien, tu as une vie sociale bien remplie. Par contre, il faut crier haut et fort un de nos rêves quand on utilise l'épouvantail. Donc je veux être riche et avoir les filles à mes pieds. Tu rêves vraiment que les filles soient à tes pieds? C'est juste un rêve comme un autre, désolé. Pour ma part, ce serait juste de terminer ma liste du jour. Ce n'est pas un bien gros rêve. Eh oui, mais c'est le mien. Ouais, bah il a pas vu la liste, lui. C'est pour ça. C'est pas grave. On va se refaire.
Ah ça c'est bien parce que ça restaure 4 points de vie à tous. Et comme lui il est déjà à fond, elle sert à quoi? Elle rend à tous 4 points de vie, mais on doit s'avouer un secret. Ça fait vraiment partie des règles. Et oui, ça ressemble plus à du action ou vérité ton jeu. Du coup, un secret à partager? J'ai le béguin pour Kenji. Oh, ok. À ton tour. J'ai le béguin pour la serveuse de chez Johnny. On avait deviné. Hein? Kof kof. Bon, inutile de nous attarder. Là-dessus. Ça nous fait 4 points de vie chacun. Ah, mais qu'il est con, j'en peux plus. J'adore lui. T'as hâte de renvoyer tout? Oh là, c'est quoi ça? Ça fait peur, hein? C'est la maison des Tanaka. Elle fait quoi? Elle peut faire échouer les attaques tant qu'elle est sur le plateau. Je déteste cette maison. Même pas peur. Je croyais que Checo t'y avait enfermé et que t'avais crié comme un bébé. Arf, tu ne me passes rien. Ne t'en fais pas, j'aurais réagi de la même façon. Et je dois faire quoi? Comment je fais pour l'éliminer? On a déjà dit quelque chose de personnel. Contentons-nous de passer à penser à quelque chose de sympa sur l'autre. En prenant les 4 points de vie, bien sûr. Cool. Elle me le relance. Prépare-toi à prendre le train des dégâts. Que devrais-je faire? On va mettre ça, hein. Putain, mais il a tout le temps des protections, moi j'ai que des attaques. C'est un truc de fou, hein. Il triche, hein. J'ai plus beaucoup de points de vie, alors j'ai pas envie de perdre. C'est un jeu riche en rebondissement, hein, de toute façon. Voyons ce qui va se passer. Fighters, comment ça va? Mais il triche, hein! Il triche! Putain, j'ai que des cartes de merde! En plus, il connaît le jeu par cœur, c'est lui qui l'a fait. J'avoue! J'avoue, le jeu est triche, on est d'accord, Luizy. La mauvaise perdante. Bon, on aura découvert qu'il a le béguin pour la serveuse, au moins. Mais voilà, un peu beaucoup plus âgé que lui. Bah moi ça va tranquillou, tranquillou. T'as bien dormi, tout ça, tout ça. J'ai gagné victoire. Et ouais, il a gagné. En même temps, c'est ton jeu. Ah, ça ne m'assure pas pour autant la victoire. C'est vrai. Je peux réessayer. Je vais le défoncer. Ah ah, tu fais moi le malin là. Comme Alicia, bien dormi. J'en ai marre. Il m'a enlevé ma carte. Mais c'est pas possible! Arrête de tricher! Je
Il fait que tricher. Vas-y, je m'en fous, je vais le tuer. Je l'aurai un jour. Tiens. Ah là là. Miroir, je le garde pour vraiment s'il m'envoie un gros truc dans la gueule. Ça. Oh, allez, allez, j'ai enfin gagné. Hey, c'est bien ça, hein. Et si la partie est bel et bien celle que tu as annoncée. C'est bizarre ta façon de parler, tout va bien? Je suis un maître du jeu, hein. Comment ai-je pu perdre? Alors ça, il faut que je revoie l'équilibre du jeu. Qu'en as-tu pensé? C'était sympa. Surtout quand t'as défoncé. C'est plutôt amusant. Tant mieux, je me suis bien amusée aussi. En fait, tu voudrais bien me rendre un service? Quel genre? Il veut qu'on aille voir la serveuse. Donner quelque chose à la serveuse. Il est trop prévisible. C'est quoi? Une carte accompagnée d'une lettre d'amour. Sérieusement, je peux la lire? Non. C'est top secret de chez top secret. Pourquoi tu ne lui donnes pas aux personnes? Jamais je n'oserais. Tu veux bien m'aider? Continue de croire qu'elle serait bien plus impressionnée si tu le faisais en personne. Je sais bien, mais je suis trop nerveux. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Pourquoi? Je ne sais pas trop, juste une impression sans doute. Tu veux bien lui porter ça du coup, je t'en supplie. Ah ok. Mais j'espère qu'il n'y a rien de craignos dans ta lettre, hein. Pas du tout. Bon, je lui donnerai tout ça si je la croise. Merci, j'espère qu'on aura l'occasion de traîner ensemble à l'occasion. Merci pour la partie, en tout cas c'était sympa. Tu verras que mon jeu deviendra un best-seller plus tard. Et franchement, il est sympa, hein. En vrai, il est vraiment sympa son jeu. Bon, il faut qu'on aille voir la serveuse. Je sais pas si ça existe un truc comme ça en vrai. Je sais pas si c'est inspiré ou pas. Elle est juste là en plus, hein. C'est pas loin. Hein. C'est elle. Ouais, il a un peu augmenté ses courbes sur les dessins. J'ai été faire ça, mais tenez, c'est un cadeau de la part de Beau. Il faut que je vous prévienne, c'est une lettre d'amour. Vraiment? Voyons voir. Chère serveuse de chez Johnny, tu es dans toutes mes pensées. Je ne vais chez Johnny que lorsque tu y travailles. Et si jamais tu n'es pas là, je mange une énorme glace pour me consoler. Accepterais-tu de sortir avec moi? Je serai un petit copain très aimant. Signé gros beau. Eh bien, c'est mignon, mais je pense pas que ça va le faire. Oui, au moins il aura essayé. Il y a mis tout son cœur. Imagine, oui. Je vais bien lui donner un petit quelque chose quand même. Pas ce qu'il souhaite, mais bon. Je peux lui offrir ce poster de chez Johnny, par exemple. On pourra lui donner si tu le croises à nouveau. Un cadeau d'une amie. Voilà, j'ai donné le dessin et la lettre d'amour de Beau. C'est une bonne copine. Attends, mais ça veut dire que Beau est mon nouvel ami? Pas tout à fait. Et si tu lui donnes le poster que tu t'ouvres à lui, il pourrait le devenir? Pas facile de se faire de nouveaux amis. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Je vais peut-être lui acheter la boisson. Je sers un ramen américain avec ça. C'est pas très américain le ramen. Ah bon? D'ailleurs, votre fast-food n'avait pas justement remplacé le vieux restaurant de ramen? Eh bien, comme les clients voulaient continuer à en manger, c'est tout ce qu'on a à la carte. C'est que je n'ai pas vraiment envie de ramen là. C'est bien dommage, reviens quand tu auras un petit creux. Elle nous a donné la boisson. Elle nous a pas donné la boisson du coup. On peut pas encore. Donc c'est avant il y avait un restaurant de ramen, c'est devenu un truc USA, mais comme tout le monde voulait des ramen, ils font que des ramen. C'est beau quand même. Ah mais ce jeu. Il est parti? Ah il est parti. Il avait peur de la réponse. Bon après au moins il a eu du cran. Hein. Les garçons jouent au baseball ici au printemps et en été. Kenji aussi? Bien sûr, je l'ai même vu frapper un homme au run.
Je revois encore cette balle blanche traverser le ciel bleu. J'étais comme subjuguée. Tu devrais peut-être prendre cette balle, ça pourrait servir, qui sait. La prendre? C'était sans doute le destin de cette balle d'être ramassée. Vas-y, on va la ramasser. Peut-être que quelqu'un en aura besoin. Une autre casquette. C'est vrai que j'ai donné celle de Kenji à l'épouvantail. Peut-être qu'il fallait prendre celle-là, en fait, pour l'épouvantail. Je sais pas. Peut-être que Kenji va nous en vouloir. Comment ça fatigue? Tu veux souffler un peu? Je veux bien, oui. Pas simple comme journée en même temps. C'est-à-dire... Te considères-tu comme une bonne personne? Eh bien, j'essaie de l'être. Alors, continue comme ça. En tout cas, Tomo m'a dit de rejoindre Kenji au Bantage. C'est pas très loin d'ici. Parfait alors. Pourquoi tu fais cette tête? Je n'ai jamais fait ça auparavant. C'est comme se retrouver sur un plongeoir. Une fois qu'on saute, l'impact avec l'eau est inévitable. Tout le monde va en parler et ils vont peut-être se moquer de moi. Possible. On n'est jamais sûr de ce qui peut arriver. Mais visiblement, tu l'aimes beaucoup. Et si tu le lui dis demain, ce sera trop tard. Oh. C'est sûr. Si tu te sens prête, va de l'avant. Mais ne tarde pas trop, quand même, l'heure tourne. Bon, d'accord, allons-y. Par contre, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quelle heure il est. Genre, l'araignée nous a dit de revenir l'après-midi, mais... C'est un peu compliqué, quoi. C'est pas trop, ça a tombé quand? Oui, mais non, j'ai changé d'avis. Je vais arrêter là. Ah. Qu'est-ce qui te prend? Je suis censée retrouver Kenji au banc, avant midi. Oui, mais les autres seront là aussi. Et en plus, c'est là-bas que se trouve la maison des Tanaka. Ah, vont l'enfermer dedans. On parie, elles vont vouloir l'enfermer dedans comme elles ont fait avec Beau. Oh, les cœurs, voyons. Facile à dire quand on est une fleur. Toi, t'as peur des chèvres et des sécateurs. Chèvres et des sécateurs? J'ai qu'une petite fille, moi. Dans les brutes de l'école, les maisons hantées et les insultes. Ces choses ne me plaisent pas non plus, tu sais. Alors on est d'accord, on rentre. Non, non, non. Kenji t'attend et c'est bientôt midi. T'inquiète pas, je suis là en cas de problème. Tu peux compter sur moi. Bon, d'accord. Parfait, allons-y. Ouais, tu vois... Ça sent pas bon, hein. Cet endroit est tellement sordide. C'est bien pour ça qu'on aime s'y retrouver. Personne ne vient nous embêter ici. On n'est pas très féminin, par contre. Comme si on était féminine à l'intérieur, c'est qu'une façade. Je parle pour toi, je suis une vraie demoiselle. En tout cas, Kenji pense qu'il se débrouille en sport, mais je lui botte les fesses quand il veut. Des fesses? Il a réussi un home run la dernière fois, mais t'as vu sa réception ratée? J'exagère, il va aller en sport études baseball, tu sais. Ne fais pas d'illusions, c'est son père qui a allongé la monnaie, il n'a pas reçu de bourse. J'en ferai tout de même bien mon 4 heures, cela dit. Comme si t'avais une chance, c'est Chieko qui est faite pour lui. En parlant de fille qui n'a aucune chance avec lui... Haha, bonjour. Tu cherches quelqu'un? Alors tu les trouves comment mes gros bras et ma gueule d'amour? Désolé, j'ai pensé que... Je pensais vraiment que Kenji allait te retrouver ici? Non. Respire, hein, je plaisante, il va arriver. N'allez quand même pas rester ici, hein. Non, non. T'inquiète pas. D'ailleurs, il ne devrait plus trop tarder. Ferme donc les yeux et compte jusqu'à 10. Et elle l'écoute. On va se retrouver enfermé dans la maison, un truc comme ça. J'y vais la pluie. Chevalier, coucou Philippe. Master Adrias. C'est bon, tu comptes? Je sens pas du tout. Oui. Prépare-toi pour un beau et gros baiser. Ah ah. Maîtresse. Hein? Chico? T'attendais à quelqu'un d'autre, Semir? Non. Moi qui pensais que nous étions amis. Ah, genre. Pourquoi tu tournes autant autour de Kenji? Hein? Quoi? C'est juste un ami. Lui et moi sommes comme le ciel et les nuages, ok? Comme le porc et les nouilles de ramen. Porc et les nouilles? On est fait l'un pour l'autre. C'est clair. J'ai du mal à croire que tu m'aies trahi. Ce n'est pas le cas. J'ai essayé de te mettre entre lui et moi.
Il suffit d'un grain de sable pour tout changer. T'es encore trop jeune pour en avoir conscience. On a le même âge. Voyons un peu ce que tu écris dans ton journal, donne-le-moi. Sûrement des trucs sur toi. Top, arrête! Angie est aussi mon amie. Qu'est-ce que t'as dit? Répète pour voir, ouais. Toujours la même gamine à faire tes petits dessins partout. Pas étonnant que tes seuls amis soient des bloc-notes. Donne-moi ce stupide journal maintenant. Non. Je l'ai. Voyons, on signerait pas une petite lettre d'amour pour Kenji là-dedans. Arrête, s'il te plaît. Prends-le-moi. C'est quoi cette liste? Ne lis pas ça. Un jour parfait. Ah, cette blague. Arrête. C'est horrible, je vous déteste. Genre, alors que tu voulais être mon amie depuis toute petite. C'est terminé tout ça, t'es juste ignoble. Et bien sûr, petite sorcière des rizières, tout le monde sait que ta grand-mère mangeait les yeux des chiens. Quoi? C'est pas vrai. Semir, aide-moi. Je veux partir d'ici. Non, c'est maintenant ou jamais. Tu dois lui faire face. Et pourquoi? Tu parles à qui, là, espèce de cinglé? Ton cœur est envahi par les ombres. Ne le ressens-tu pas? Je veux juste rentrer à la maison. Impossible. C'est le moment dont on parlait. Tu dois faire face à la noirceur de tes émotions. Mais comment? Je vais voir ta colère, ta rage. Attention, ça va barder. Pleure? Oh non. Je devrais peut-être la reposer seule, non? Mon journal est sur elle. Oh, la maison des Tamako. Il y a des couteaux rouillés dans l'évier. Cette maison est abandonnée depuis 27 ans. Mais quelques ados s'y faufilent parfois. Quelle horrible maison. Chico? Viens-tu de cet endroit? C'est toi? La vieille maison des Tanaka. D'horribles choses s'y sont passées il y a bien longtemps. Et continue d'arriver. Chico? Chico? Fleur? Tu connais l'histoire? Monsieur Tanaka vivait ici avec sa femme il y a 27 ans. Elle était magnifique, mais il aimait jouer avec le feu. Voilà ce que je veux dire. Où es-tu? Chico! Ressemble par là. Il a besoin d'une bougie. Il avait l'habitude d'emmener ses maîtresses à la maison et d'obliger sa femme à cuisiner pour elle. Assis à la table avec son yukata taché et son haleine de riz pourri. Jusqu'au jour où elle en a eu assez. Oh non, mais n'est pas que. Chico! Te souviens-tu pas de l'époque où nous étions amis? Pourquoi as-tu commencé à traîner avec les plus vieux? Ils avaient la classe, eux. Nous aurions quand même pu rester proches. Pénétrer dans cette maison m'a fait changer à jamais. Les endroits et les gens que l'on rencontre nous marquent. Ils plantent de mauvaises graines en nous, mais c'est bien plus fun. J'ai enterré la fille ennuyeuse que j'étais, tu devrais faire pareil. Mais, en moi, au moins mon journal. Prends cette bougie, viens donc le chercher. Elle est venue dans cette maison et après elle a changé. Un rat? Tue-le! Vivre et laisser vivre. Maintenant on le laisse vivre. Je sais pas, hein. Deux chemins. Simba, comment vas-tu? J'ai l'impression que le sol colle. J'ai si froid, mes yeux se ferment. Je vais tomber dans les pommes. Ah. Ah, tout de suite, Apple.
sommes-nous ? Et si bête et naïve, tu as besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment la vie. Ce que tu as fait, toi ? Oui, un boulet comme toi n'était pas suffisant. Je veux le monde entier à mes pieds. Tu m'offrais pourtant des bracelets et des fleurs. Espèce de gamine. Allez, viens me chercher. Cache-toi de ton reflet et montre à la fleur qui elle est vraiment. Alors peut-être tu pourras à nouveau être libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas trop compris. Cache-toi de la fleur. On doit passer là où il y a les fleurs ou est-ce qu'au contraire on doit passer par là où il n'y a pas de fleurs? Début là je crois. Ou peut-être on s'en fout, c'est peut-être y a toujours peut-être la même chose. Une erreur dit que tu n'es plus dans le monde que tu connaissais. Tu es désormais dans une toute autre réalité. Où tes émotions peuvent modifier le réel. Un pouvoir qui a ses bons et mauvais côtés. Tes sombres pensées se sont matérialisées. Pardon. Ce serait toi au regard pour revenir à toi. Tu n'avanceras pas plus loin. Pas trop, par où, faut pas. Elle passait des heures à se regarder dans le miroir et à remettre ses cheveux en place quand papa est parti. Attends. Bah non. Je comprends pas trop ce qu'on doit faire, j'ai pas trop compris. Je me cache derrière un masque quand j'ai trop honte de moi. On se berce d'illusions jusqu'à plus se reconnaître. Comme tout le monde. Ah, je dois choisir ce que je veux choisir. Enfin, je dois choisir le truc qui me correspond le mieux. Rien n'est comme avant une fois coupé en deux. Le monde des adultes est un champ de bataille. On ne gagne pas à tous les coups. J'imagine que c'est le masque qu'il faut prendre. Après, le masque, il était chez moi à la base. Ça, je l'ai dans ma chambre. La droite, c'est superficiel. La gauche, c'est agressive. Ça, c'est se cacher derrière un masque. Bon, je vais quand même prendre le masque, mais c'est un peu compliqué, quoi. Telle que les autres nous perçoivent. La voie est ouverte. Apparemment, j'ai bien choisi. Maman, que fais-tu ici? Ta grand-mère m'a aussi montré cet arbre, tu sais. La glycine? Ta grand-mère n'était pas ce qu'elle prétendait être. Elle savait manipuler mes émotions, m'en faire ressentir de bonnes comme de mauvaises. Elle façonnait ainsi mon monde. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. T'as-t-elle jamais dit que le monde était un prisme de nos émotions? Non. Elle était pas gentille avec tout le monde, tu sais. Penses-tu vraiment être la seule à avoir eu une journée spéciale? Tout le monde est passé par là, du moins dans cette famille. Que veux-tu dire? Tes choix sont faits, puis le temps vient à manquer. Au final, tu te retrouves à devoir vivre avec. Maman? Je suis désolée. Prendre les deux autres objets. C'est assez bizarre. On peut changer encore, je crois, si on veut faire un autre choix. J'ai un peu du mal à comprendre ce passage. Fleur, qui es-tu? Je ne te connais pas. Attends, tu ne peux pas passer. J'aimerais que tu puisses te voir. Ah, il nous faut un miroir pour qu'elle se voit. C'est un peu bizarre, en fait. Ce passage est un peu étrange. Merci à ceux qui sont avec moi ce matin.
Merci pour le soutien. Merci à ceux qui laissent toujours tourner avec un petit peu de son. Fleur, qu'as-tu dans tes mains? Regarde-toi. Non, éloigne cette horrible chose de moi. C'est toi qui es horrible, regarde. Mais je pensais que tu voulais que je sois ainsi. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti ta colère, je l'ai bien punie. Je ne me suis jamais aussi bien sentie. Qu'as-tu fait d'elle? Je l'ai emprisonnée dans un endroit bien particulier. Ce n'est pas joli à voir, crois-moi. Je veux que tu redeviennes comme avant. Je ne te plais pas comme ça? Je n'ai pas la moindre envie de parcourir le monde en compagnie d'un monstre. Redeviens la gentille fleur que tu étais. T'en prie. Nous ne pouvons pas toujours faire machine arrière, tu sais. Mais peut-être que... Ferme les yeux. Demir, oui? Viens-tu de notre... du moment de notre rencontre? On a fait tellement de choses depuis. T'étais toute mignonne et innocente, oui. Je l'étais, oui. Je préférais comme ça. Fleur? Où es-tu? Echo? Semi. Un miroir? Oh, parfait. Montre-moi qui je suis vraiment. Tu es méchante. Tu as comme piégé mon esprit. C'est que... Quelle belle journée pour toi, tu fais tout ce dont tu as toujours rêvé. Mais il ne reste plus que quelques heures. Arriverais-tu à tenir plus d'une journée? Comment? La fleur est laissée tout comme l'endroit où je me trouve réellement. Pose-lui la question. Eh bien? Quel horrible cauchemar. Oh, mon journal! Mais qu'est-il arrivé à Checo? Et la fleur? C'est assez étrange hein, ce qui s'est passé. On n'a plus la bougie. Pas trop si on a fait les bons choix. Y'a rien du tout ici. Develop Simba. Ah, tu es là. Mais que t'est-il arrivé? Tenter d'exister dans les zones les plus sombres d'une personne, on n'en sort jamais indemne. Tu as perdu des pétales. Je pense que toi aussi tu as perdu quelque chose. Je me sens si triste. Cette journée est un désastre. Rentrons à la maison. Maman me prépare un repas tous les midis. D'accord, je t'y emmène. Écoute, avant qu'on y aille, je suis désolée. Mais je peux pas faire le reste de ma liste? Peut-être louper un truc. Bah si c'est s'il faut réussir ça pour avoir le reste, c'est un peu dur. Désolée de quoi? Pour tout de t'avoir fait venir dans un endroit si sordide. Je suis désolée aussi car c'est loin d'être terminé. Quoi? Mais rentrons tout d'abord à la maison. Mais je veux pas rentrer à la maison, je veux continuer. Moi je veux pas aller à la maison. J'avais failli pleurer la fois où Checo m'avait dit que des fantômes vivaient ici. Je connais des histoires bien plus effrayantes. J'ai peur de finir le jeu sans le vouloir alors que je veux faire le reste. Ah, c'est parce qu'elle veut se reposer. On croise les doigts que ce soit pas fini et que je n'ai pas fait une connerie. Ça serait assez horrible. Parce que j'essaie de faire au mieux les trucs, mais je sais pas s'il y avait un choix. Je suis rentrée. Je devrais commencer par aller voir maman. Ah. Allô, papa? Oh, Semi! Oui? Quand comptes-tu revenir? Le week-end prochain, normalement.
Pour de bon? Ah non, j'ai juste des papiers à signer. Maman a encore laissé le robinet ouvert hier soir. Je vois bien qu'elle pense à le refermer, oui. Je m'en suis chargée. Bien, c'est important que tous les membres d'une famille s'entraident. Pas comme nous, donc. Écoute, que dirais-tu qu'on aille chez Johnny ensemble quand je serai là? Non, c'est nul, Johnny. Et une balade, alors? Tu sauras tout? Samy, tu veux parler à maman? Non, dis-lui que je rappellerai plus tard. D'accord, au revoir. Le père est pas cool. À faire dans notre chambre ou quoi, parce que vous voyez j'ai vu ce masque là, du coup je me suis dit ça devait être le bon truc à prendre, mais je sais pas à quoi servent les autres objets en fait. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Hein? Tu n'étais pas là à mon réveil, où étais-tu passé? En ville. Ah bon? Comment es-tu allé jusque là-bas? Je me suis débrouillée. Tu sais, je suis une grande fille maintenant. Je vois, tant mieux. Tu peux t'asseoir, j'ai préparé le repas. J'ai aussi mis un bol d'eau pour ta fleur. Comment es-tu au courant? Quoi? La fleur? Maman? Tu peux t'asseoir, j'ai préparé le repas. Bonjour grand-mère, cette journée est vraiment bizarre. Elle m'a fait un clin d'œil. Sacrément fin. À table. Rien de mieux qu'un bon repas chaud. Et moi, un bol d'eau bien fraîche. On dirait que tu en avais grand besoin, oui. T'as pas l'air en forme. Ça va aller. C'est parce que je suis allée dans la maison des Tanaka. Je voulais juste récupérer ton journal. Es-tu en train de mourir? Je ne fais que perdre des pétales depuis mon éclosion, tu sais. J'aimerais pouvoir t'aider. Alors fais-moi vivre une merveilleuse journée, comme tu me l'avais promis. Je fais de mon mieux, hein? Je le sais, ne t'inquiète pas. Merci. Ce repas est très bon. Ta mère est bien silencieuse, comme toujours depuis le départ de papa. J'imagine que c'est la même chose pour moi. Pourquoi t'intéresse-t-elle autant? Parce que tu disais vouloir lui parler de ce que tu ressentais? Ah oui, je ne pense pas être prête. Tu ne crois pas qu'elle est exactement comme toi, petite? Comme moi, je ne crois pas, non? Eh bien moi, je te dirais... que oui. Elle a eu exactement la même journée que toi dans le passé. C'est-à-dire, tu n'es pas seule, tu sais. Tu ne le sauras jamais. Pas tant que tu seras là, en tout cas. Tu veux bien m'en dire un peu plus sur cette journée? Tout me semble étrange. Les corbeaux. Que peux-tu me dire sur les corbeaux? Ils sont effrayants. Nous les appelons les gardiens. De quoi sont-ils les gardiens? Du monde, afin qu'ils restent ce qu'ils doivent être. Pour éviter que je puisse revoir ma grand-mère, par exemple. Ou que mon père rentre à la maison. Entre autres. Leurs yeux sont des joyaux d'une autre dimension. Ils s'assurent de l'équilibre des énergies de ce monde. Sois prudente. La maison des Tanaka. Que s'est-il passé là-bas? Une chose horrible il y a fort longtemps. Pourrais-je m'en dire plus? Un simple événement peut avoir de lourdes répercussions dans le temps. C'est-à-dire, comme une petite ondulation dans une piscine. Une chose horrible s'est passée dans cette maison il y a fort longtemps. Les forces toujours en présence t'ont attiré dans un monde étrange. Le labyrinthe sombre où je t'ai trouvé? Oui. Il y avait pourtant des choses et personnes que je connaissais. Que tu as vu d'une matérialisation qui t'est propre, le reflet de tes peurs. Eh bien, je n'ai pas aimé du tout. Que puis-tu me dire sur toi? Je suis juste une amie d'un autre monde. Veillez sur moi, tout comme mon père le faisait? Pas exactement. Je ne suis pas là pour te protéger, mais pour t'empêcher de renoncer. C'est complètement différent. Je vois, tu viens donc de la glycine. Il s'agit du portail, oui. À l'intérieur se trouve un monde magique. Un univers différent, mais composé de choses familières. Où les émotions se matérialisent. Comme le sombre labyrinthe. Ça ressemble parfois à ça, oui. Et parfois non. Je pense que tu comprendras avant la fin de cette journée. Voilà, j'ai terminé.
Nous avons encore beaucoup à faire aujourd'hui. Devrais-je parler à ma mère maintenant? Pourquoi pas? Eh bien, nous n'avons qu'une seule journée à passer ensemble. J'imagine que je pourrais le faire demain. N'est-ce pas ce que tu avais déjà dit hier et avant-hier? C'est vrai. Parfois, nous n'avons plus qu'une journée. Mais c'est à toi de décider, il y a tant de choses à faire encore. Les mots lourds de sens peuvent toujours attendre, mais un jour, il est trop tard. Réfléchis bien à ce que tu devrais faire à partir de maintenant, je t'attends dehors. D'accord. Ça, c'est pas totalement où on finit. Déjà de retour? Je n'étais pas partie, je mangeais. Tu n'as pas entendu le téléphone sonner? Visiblement non. Papa a appelé. Ah? Il disait qu'il allait passer pour signer des papiers ou quelque chose du genre. D'accord. Des papiers de divorce. Maman? Oui, as-tu déjà eu une sorte de journée très spéciale? Eh bien, le jour de ta naissance en était une? Pas ce genre de journée bateau, non? Journée bateau. Et Rélios? Ça se passe le boulot, la reprise, ça va? Je veux dire, une journée qui sort vraiment de l'ordinaire, presque magique. Ah, bien non. Même pas quand tu avais mon âge? Non, allez, va jouer, j'ai affaire. Ça passe pas très bien, je devrais peut-être m'en aller. Ma boîte à trésors, j'y range toutes mes plus belles trouvailles. Ma carte de membre du club des nuages. Kenji a sûrement oublié qu'on avait commencé ça vers 7 ans. C'est encore elle. Pourquoi je garde ces choses-là, moi? Enfin, je n'arrive pas encore à les jeter. Mes souvenirs sont ici, mais qu'en est-il de ceux de papa? C'est vrai qu'il adorait une photo de maman et lui. Je suis sûre qu'il l'a prise avec lui. Ah non, elle est là. Maman m'a raconté qu'il y avait un feu de camp sur la plage cette nuit-là. Les gens du coin buvaient tranquillement sur le sable. Ils étaient très sympathiques et leur ont même proposé du vin. Pour papa, les yeux de maman étaient comme des étoiles scintillantes. Maman restait sans voix face à cette voûte céleste tout droit tirée d'un conte de fées. Et face au profil incroyablement séduisant de papa. C'est comme s'ils étaient totalement différents de maintenant. Maman avait l'habitude de raconter qu'ils ont nagé sous les étoiles. Papa riait toujours à ce moment-là. Elle grognait alors en lui disant d'arrêter de se moquer. Mais elle n'avait jamais l'air vraiment énervée. Il y a peut-être d'autres trucs que j'ai pas vu. Des fois c'est un peu bizarre pour voir les points d'interrogation. Tellement avec lumière on peut les louper. Même s'ils sont gros... Là, j'avais pas vu pour l'interrogation, j'avais juste vu les vêtements. Ils avaient l'air de nager dans le bonheur, mais je ne les ai jamais vu, moi, leur bonheur. On dirait vraiment une toute autre époque. Papa n'a même pas pris cette photo avec lui, pauvre maman. Je devrais peut-être les laisser ici. Pas les prendre et les mettre sur le frigo. On n'a rien remarqué. Elle va nous tuer. Là, s'il n'y a pas autre chose à prendre, comme il n'y avait pas ça tout à l'heure. Voilà, on y est. J'aimerais lui parler, mais il n'y a peut-être rien à dire. Maman, as-tu vraiment aimé papa un jour? De la même façon que tu aimes Kenji? Comment tu sais ça? J'étais jeune aussi, tu sais. Ça t'étonne tant que ça? Moi, je pense à Kenji tout le temps. C'était pareil pour toi avec papa? Bien sûr. Vraiment? Je te dis que oui. Mais alors, que s'est-il passé? C'est-à-dire? Vous êtes presque comme des étrangers maintenant. Plus de contact, plus de rire. Enfin, avant qu'ils ne partent. Parfois, les choses changent sans que l'on ne puisse rien y faire. Je croyais que tu l'aimerais pour toujours, moi. Je pensais que... Ça suffit. Mais... On peut la réconforter, on peut essayer de savoir plus, mais j'ai peur que ça la blesse. Maman? Je suis sûre que tu te souviens de l'époque où tu l'aimais encore. Mais qu'importe ce qui peut bien arriver, je serai avec toi. Juste toutes les deux. Enfin, si ça en arrive jusque-là.
Ne te soucie pas de tout ça. Impossible. Enfin bon, je dois y aller. Je t'aime, maman. Fais attention à toi. Je t'aime aussi. Alors, on a fait le bon choix. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un moyen de parler à papa. Ah là là, c'est tellement triste. La même chose. Bonjour grand-mère. Elle nous a dit. Regarde s'il n'y a pas de nouveau truc. Ah, cette histoire. On peut appeler le père. Ok. À plus tard, je reviens en fin de journée. Donc là, on a passé midi. Vous entendez drôlement bien maintenant, hein? Partir à l'aventure avec Madame la Jolie Fleur. Amusez-vous bien, ouais. T'as jamais dit que tu voulais sortir? Eh bien, je suis là depuis le début, moi. Désolée. Enfin bon, tu reviendras comme toujours. C'est beau de rêver. Bon, et maintenant? Quelqu'un approche. Oh? Samir, que fais-tu? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je cherche Sheiko, Yuko et Tomoko. Tu ne les aurais pas vus? Sheiko, pas dernièrement. Eh bien, elle a disparu. Si jamais tu la croises, préviens sa mère. Elle ne doit pas être bien loin. Kenji, moi, sommes à sa recherche. Je vais aider au mieux mon seigneur. Bon, Kenji? Oui. Sheiko semble vraiment avoir disparu. Tu lui as fait quelque chose? Je ne sais plus trop. On parle d'une époque très sombre de ma vie. L'époque, c'était il y a à peine une heure. Allez, dis-moi la vérité, je crois qu'elle est emprisonnée. Comment ça? Comme je t'ai dit, cette journée est spéciale. Celles qui te tourmentent sont mises à l'écart pour ne pas la ruiner. Pas mal, non? Ouais, pas vraiment. Disons que lui faire peur, c'était cool, mais après, ça va un peu loin, quoi. C'est horrible. On va la laisser prise de piège entre deux mondes. Ah, t'inquiète pas pour elle. Non, il faut la retrouver. D'ailleurs, comment veux-tu que je recolle les morceaux avec... Pas faux. Tu veux la revoir, son esprit se trouve dans la glycine. Retournons-y. Bien sûr. Oui, oui. Alors, du coup, on en est où? On a se confronter à Sheiko. Eh, on a fait que ça, hein. On a ça à faire. Moi, je pense que le mieux, c'est de sauvegarder là pour la prochaine fois. Parce que là, on est au tout début de la carte. Et on refera tout à pied. Comme ça, si jamais je me souviens plus de quelque chose, au moins à faire. On aura un souvenir. On fera. Parce que ça, c'est là qu'on va devoir le faire. On a encore deux pièces. On peut acheter encore des stylos. On les a pas tous achetés. Ça me paraît pas mal. Est-ce que vous avez déjà aimé le début de cette histoire? Alors niveau émotion, il y a ce qu'il faut. Hein. Vraiment ce qu'il faut. C'est vrai que si vous avez loupé le début, n'hésitez pas quand je mettrai sur YouTube la rediff. C'est vraiment de toute beauté. Je sais plus, j'en ai remis quel jour sur le planning. Dimanche. Dimanche. Je sais pas trop où on en est dans le jeu. Avec 25% des succès, donc je pense qu'il y a quand même encore pas mal d'heures.
Après, je pense qu'il doit y avoir de faire le jeu en mode méchant aussi. Ce que t'as vu, t'as bien aimé, ouais. Après, ouais, c'est un jeu où faut suivre quand même. Après, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de choses à lire, donc au niveau de ma voix, tu vois. Ça, je préfère le faire en plusieurs fois. Ouais, je vois qu'il y a la roadmap qui est sortie pour Maitama Sandrock. Il y a des trucs fin mars, apparemment. Sorte. Ouais, peut-être que fin mars, début avril, du coup, ouais, il va y avoir une chose importante. C'est vrai que niveau émotion, c'est assez chaud, quoi. Assez chaud. Du coup, petite pause boisson, tout ça. On va aller sur Pokémon. Merci à ceux qui sont là ce matin. C'est calme aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est la grève, tout le monde fait la grasse mat, du coup? Du coup, personne ne veut sortir du lit. J'ai l'impression... Ou alors c'est le froid aussi, c'est ça qui fait pas mal froid ce matin. Et on va aller faire un peu de Pokédex et peut-être de la chasse au shiny en même temps. Pas trop comment. Après il y avait aussi, on devait retourner voir le... On était appelé par le proviseur aussi la dernière fois, on n'avait pas fait, donc on va faire ça aussi en même temps. Alors du coup par contre ouais, pendant la pause vous allez avoir le son du menu du jeu qui est pas ouf comme je vous le dis chaque fois. Elles sont toutes les trois en forme. De voir Biscuit être après. Oh, c'est un bon programme, ça. Sympa. C'est sympa. Je vais faire réchauffer le café. Et puis, ouais, on va faire un petit peu. On va voir un peu sur Pokémon. On va peut-être se balader un peu. Je sais plus ce qu'il y a après. Ah oui, c'est Children après. Après, il y a Children. J'arrive, petite pause réchauffage café, tout ça, tout ça. J'arrive tout de suite. Et pareil, ouais, sur Pokémon, je vais encore mettre le follower parce que je veux pas être spoil des évolutions. Je vais encore mettre le follower, je vais mettre 10 minutes. Désolé, hein. Mais je veux pas être spoil, comme on n'a pas fait le... Il y a les portes qu'on doit faire aussi, donc je voudrais pas être spoil là-dessus. On va essayer d'aller vers ça. On va essayer d'aller vers ça. Et finir le Pokédex comme on peut. Du coup, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Petite pause café boisson. Et j'arrive. Faites de même et tirez-vous. J'arrive tout de suite.